Allô Lège. Allô Zerator. Tu es là? Oui, et toi? Ok, vous êtes là sur IRC? Je ne sais pas, je ne me suis pas connecté sur IRC. Ils sont 300 sur IRC. C'est peu. Ça slack, hein. Ça slack énormément. À mon avis, ils sont au moins 2 milliards sur le stream. Donc, au unique... minimum 1 milliard sur le... Oui, 1 milliard et 900 millions, à mon avis. Voilà. Bon, à tout de suite, on arrive. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce Catastraft. Bonjour à toutes et à tous, il est 18h12, j'ai des mitaines de combat Starcraft, je suis chaud et ça va Lège ? Ça va très bien, Zerator et toi, troisième Catastraft ensemble. Ouais, troisième Catastraft, on est chaud là. On est très très chaud et ça va envoyer du gros. Alors au dernier Catastraft, c'était au dernier, on s'était classé en gold ou c'était au premier ? C'était au premier. Et là, on a réussi à être top 1 de notre top classement. 8, ouais. Non, top 8. Ah non, on était top 1. On était plus que top 3, ça je m'en rappelle. Tu crois? Alors après, il va falloir qu'on voit un petit peu dans le classement sur StarCraft 2. Okay. Mais on est très bien. Alors moi, je suis déjà dans le jeu personnellement. Moi aussi. Donc voilà. Pas de problème aujourd'hui. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, tout le monde est dans le jeu. Et alors, regardez ce que je vous ai préparé. Je vous ai fait une petite scène, voilà, où on voit les deux écrans. C'est-à-dire que vous avez l'écran de Lège en haut à gauche. Mm-hmm. Donc là, ici, là. Ah non, je suis un tarbe. Ici, vous avez mon écran. Donc là-bas. Ah non, non plus. Et là, vous avez les Facebook de la Millennium TV 2. C'est plutôt classe comme petit écran là. Voilà. Donc bon, l'écran de Lège bug un peu. On te voit un peu en décalé tout ça. Comment ça mon écran? Mais on verra ta insane micro, je pense. C'est bon. Voilà. C'est bon. Donc pas de problème. Tant qu'il y a ça, c'est bon. Il y a pas de soucis. Donc ça, je pense qu'il faut le voir en plein écran. Hein, par contre, parce que là, à mon avis, on doit pas voir grand chose. Enfin bon. Sinon, il y a toujours l'écran de Lège ici que vous avez. Donc Lège qui est en train de se balader dans les menus. Oui, on sait pas trop ce qu'il fait. Mais non, j'arrive pas en fait à trouver ce que je veux faire. Tout simplement. Ah voilà. D'accord. Chat ZRT Lège. Vous êtes 6 dans le canal. ZRT Lège. Et bien, je vais aller sur ZRT Zerator de mon côté. ZRT Zerator pour jouer avec nous après dans le Star Striker. Il y a pas d'actif sur mon chat. T'imagines, tu le prends comment? Bah, je le prends bien. Sachant qu'il est pas sur le tien. Il est en train. Si, il est sur le mien. Regarde, ça c'est ZRT. ZRT Lège. Oui. Il est là. Il est en train un petit peu d'espionner un petit peu les tactiques que vous êtes en train d'étudier. Et vous venez sur ZRT 1 si vous voulez venir jouer avec nous sur ce Catastraph. Alors, on sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire, avec qui, dans combien de temps. Mais voilà, ZRT Zerator, ZRT Lège et ZRT 1, c'est pour venir jouer avec nous. Donc, ZRT Lège, c'est ceux qui voudront être avec Lège dans les jeux en équipe. ZRT Zerator pour ceux qui voudront être avec moi. Et ZRT 1 pour les gens qui veulent jouer avec nous tout court dans un cas de FFA. On pourrait peut-être faire un FFA, hein, j'y pense là. Un FFA, ça pourrait être pas mal. Un ça. FFA, sachant qu'il faut pas que je regarde à gauche. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà, on se met nous deux contre Mass Bronze.
ça me paraît un petit peu chaud. Je pense qu'on perdra. À mon avis, StarCraft 2, c'est vraiment le jeu où tu peux pas faire de 1v, voilà. Ouais, de 1v3. À partir d'un moment, même si le mec est argent. Alors, contre... 2v3 quand même, non ? 2v3, c'est 2v3 chaud. Bronze, je pense qu'on peut win. Alors, faut vraiment que ça soit des faut bronzes. Quoi. Sachant qu'ils vont nous streamac en plus, la technique. Ah, oh, c'est chaud. Ah, ouais, c'est vraiment chaud. Oui, mais c'est des bronzes. Ouais, c'est ouais. Peut-être des mecs de LOL, etc. Donc, les mecs de LOL, c'est vrai que. On peut très bien peut-être réussir à gagner. Tout à fait. Petite information à propos des Eternal oui. Legends Zerator. Oui. Si vous voulez gagner au jeu fun, venez dans mon chat, évidemment. nous n'avons pas encore perdu le moindre jeu contre Zerator, que ce soit Star Striker ou Axe Ball. C'est vrai. C'est la victoire pour les. On n'a pas gagné Axe Ball ? Pas du tout. Bon, honnêtement, je m'en souviens pas. Oh là là, il s'en souvient pas. IRC s'en souvient en tout cas. Connectez-vous sur IRC pour le dire. Vous vous en souvenez, c'était lors de la dernière édition. À droite de la vidéo, vous avez un petit encart où vous pouvez vous connecter via le webchat à IRC. Dièse Millennium 2, c'est le bon chat. Et si je me rappelle pas, c'est que mon cerveau a préféré oublier. Donc, à mon avis, ça. On a dû perdre. Bon, je suis plutôt content. La recherche des joueurs a commencé. Pas de soucis pour le moment, ouais. Pas d'erreur. Pour l'instant, on va mettre apparemment 15 minutes à lancer une game, ce qui est pas mal. Oui, ce qui est rare. Et étant donné qu'on a un classement vraiment magnifique. Ouais, carrément. C'est pour ça qu'on va mettre un petit peu de temps à lancer des parties. On est combien ? On est combien dans le ladder ? Attends, je suis en train d'essayer. Je de sais trouver. Même pas combien on est dans le ladder. Attends, bon, ligue et classement. Tu cliques sur l'icône, voilà. Ouais, très bien. Classement 4e. 4e. Ouh, par contre, on est à 100 points des premiers. 100 points des premiers ? Ouais. Mais okay, on est à 5 marche. Points des deuxièmes. 5 points, ok. Bon, okay. 100 points des premiers. Mais alors, tu sais qu'on n'est pas obligé d'être premier pour monter de ligue. Je sais. Il faut être dans le top 8. Personne ne sait comment on doit monter, ah bon comment on peut monter. Mais on peut je pensais qu'il fallait être dans le top 8. Le top 8. Le top 8. Comme disent les Belges. Si. Allez, double random, on est parti. Ah, j'ai mes raccourcis et tout. Et ça, c'est cool. Oh là là là, il est Terran. Il est Terran, c'est le bordel. Tu sais qu'est-ce qu'on fait quand on est Terran ? Et sur IRC, ils savent aussi. Double axe à 11 ? On est parti pour la double axe. Oula. Attends. Quoi ? Pause. Quoi ? Fast. Quoi ? Fast, pause. Quoi ? Ils vont remettre pause, hein, donc... Le truc de l'écran. Ah oui, oui ! Restreindre le curseur de la souris, je sais pas quoi. Activé. Activé. Il était activé ? Alors tu fais un alt-tab, alt-tab. Très bien, donc alt-tab, alt-tab. Tu te foutrais pas un peu de moi ? Vérifie. J'ai l'impression que ça a l'air de marcher finalement. On va voir comment ça se passait. Attends, je passe juste ma souris derrière l'écran. Voilà, l'installation n'était pas complète. Allez. C'est bon, ils ont laissé la pause. Hein. Allez, ils sont sympas. Ils sont manœurs. Ça marche ou pas ? Oui. Oui, ça a l'air de marcher. Oh là là, tu vois, alt-tab, alt-tab. Alt-tab, alt-tab. Non, mais il faut me croire, je suis ingénieur de bug StarCraft. Ouais, très bien. Voilà. Alors, ils sont où là sur la map ? Ils sont juste alors, en face. Hein. Où bon, là et là. D'accord. Alt-G. Alt-G, j'étais parti sur faire du G comme sur League of Legends. Allez, boum, c'est parti, je construis ma petite baraque. Alors c'est quoi déjà le raccourci que j'avais mis ? D. D, bah oui, D comme baraque. Un peu tard de mettre D, non ? Comment ça se passe ? Alors tu fais qu'un VCS, toi ? Ouais, j'en envoie qu'un seul. Alors normalement... attends, tu peux la faire en bas si tu veux, et la décoller et te lever chez eux. Oh ! Mais tu vas où, là ? Je vais là. Non ? Et moi, je vais de l'autre côté ? Non. Genre, moi, je vais là ? Non. Ça nous scoute. Ça arrive chez toi en premier. Ça arrive chez moi en premier, ça nous scoute, pas de problème. Ouais. On va pas être flag du tout. Bon, je vais chez l'autre. Non, si. Tu vas chez l'autre ? Je sais pourquoi pas. Pourquoi pas ? Parce que les mecs genre vont en mode peut-être double penser... panique. Oui, oui, voilà, double panique. Je pense que ça peut être pas mal, même si l'avantage de ce genre de choses, c'est d'y aller franco dans la gueule ensemble. Alors, j'ai oublié de faire ma raffinerie pour faire des maraudeurs parce que moi je pars sur maraudeur. Ouais, c'est vrai, je sais. Voilà, pour avoir le slow, etc. Maraudeur, c'est cheaté. Vous le savez tous sur IRC. Je sais que tu fais ça. Et toi, t'es plutôt marine. T'es plutôt micro des marines, etc. Ouais, ouais, moi je suis plutôt un dieu de la micro des marines. Donc là, ils savent qu'on proxy au fait. Hein, Ah, d'accord. Enfin, j'espère pour eux. Sinon... Parce que sinon, il y a vraiment un problème dans ce jeu. Enfin bon. Après, on ne dira rien, évidemment. Alors, on lève la baraque et puis on la rebaisse. Hop. Ah, franchement, tu sais que c'est chaud comme strat. Hein. Ah bah ouais, mais on est parti, hein, mon petit père. Il n'y a pas plus all-in. Si, il n'y a plus all-in, mais bon. Ouais, on en parlera pas. On n'en parlera pas parce qu'on a essayé ça hors stream. C'est un peu bolide. C'est pas top. Alors, essayez, je pense pas que c'est wallé, à mon avis, non. Bon, c'est pas grave, j'ai prod un petit marine, histoire de... Tu as prod. Ouais. Ouais. Histoire de se sentir bien. Ouais.
Hop, voilà. Le petit réacteur. Non, c'est pas le réacteur, c'est pas le réacteur qu'il faut faire. Et là, tu réalises qu'on s'est fait rush photon. Ah, bah, pas du tout. Non, pas du tout. Ah, ouf. Pas pour l'instant. Bon, moi, ça se passe bien pour l'instant. Ah ouais ? Bah, moi aussi. J'ai les deux racks qui produisent des marines. Ah, bah, très bien. Et bah, moi, je vais décoller tout ça. Je vais décoller la deuxième, là. Ok. Très, très soon. Voilà, je la décolle. Et puis, je vais peut-être aller faire genre. J'ai des additional supplies depot qui arrivent. Allez, on va scouter. Voilà. Voilà. On va scouter. Ridicule. Ah, ah. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Allez, mec, les mecs sont bon, pas. Ça. Ah oui, les mecs sont pas au courant en fait. Ah, ils sont pas du tout au courant. Ah oh là là. Ah oh là là, on a fait vraiment quelque chose. Alors là, c'est... mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer est exceptionnel. Ah là, là moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Énormément. J'aime beaucoup également. Alors, on va stacker genre 4 ou 5. Oh, ils m'ont vu. Ils t'ont vu. C'est parti. Ah ouais, bah c'est parti pour toi. C'est parti de mon côté. Et attends, j'attends un petit peu leur backup et puis je vais aller dans leur truc. T'es regarde. C'est parti pour moi. J'attends genre. Tu me dis quand le. Oh là là, c'est parti. Voilà, c'est parti. Le zilote aussi, il a vu. Oh là là, y a mass ad. Pas mal de. Oh là, ouais, je suis mort. Toi t'es mort. Faut que je micro pour tuer le plus de VCS possible, ce que j'essaye de faire. Mais il a plus de marines. Oh, moi je suis en train de défoncer hein, quand même. Je pars sur la facto. Non, j'ai pas assez de gaz. Je vais faire d'autres baraques. Non, B2. Non, je sais pas. Oh, ouais, il va plus avoir de. C'est bon pour toi ou pas? Ah oui, c'est très très bon. C'est vrai? Ah bah oui, c'est très très bon. Ah nice, il a plus de récolteurs du tout. Ah, il est allé avec tous ses récolteurs. Ah, le mec chez moi était moins tard. D'accord. Donc, comment ça se passe chez toi? Chez moi, comment ça? Bah, dans ton attaque. Ah, dans mon attaque, ça se passe bien. Il a presque plus rien. Ok, nice. Oh, par contre, va falloir chez nous, par contre, faire une défense. Je suis en train de passer sur gaz. Mais en fait, j'ai remis mes baraques. Ouais. Et je vais refaire des marines. Voilà. Alors attends, il va falloir prod un petit peu maintenant. Refaire des marines. Chez moi. Voilà. Je suis sur trois casernes, hein, ouais. dans la maison. Okay. Moi, je suis sur double gaz, facto lancé bientôt. Je pensais de l'avoir déjà lancé, en fait, je suis un peu deg. Je t'avoue. Alors attends, je suis pas du tout. C'est pas du tout. Au niveau macro, on peut pas dire que je suis au top. Ah, t'as combien de VCS? Oh, j'en sais pas rien. Beaucoup. Ah, pas beaucoup. Ouais, non, très peu. Mais je récolte sur double gaz. Hein. Ah, intéressant. Parce que je vais partir sur de la Banshee. Non, je plaisante. Je vais partir sur. What? Non. T'as fait des mini-divacs. Ça, c'est une idée. Ça, c'est une très bonne idée. Ça, c'est une idée. Alors attends, est-ce que je pourrais un pas peu faire... étonnant que je l'ai eu d'ailleurs. Ouais, non. Non. Sois pas trop direct, toi-même. Mais part sur des medivac et moi je vais faire du full bio et tout, full et marine. Tout, et tout et tout. Ouais, ça va vraiment bien se passer. Hein. Bio et tout et tout. Bon, je décolle la B2. Ça. J'ai une B2. Ils attaquent chez toi. Ils attaquent chez moi. J'ai plutôt rien. C'est rien, moi non ils plus. Attaquent chez. Oh, tous les VCS sont chez moi. Oh, ça all-in. Oh, comment on va faire là? Alors, il va falloir défendre. C'est à dire. Oh, je peux pas défendre. Ça. Allez, vas-y, repair comme un tard. Ça part en trade base. Ça part en trade base, c'est ouais. à dire, nous aussi. C'est-à-dire que je vais aller chez toi avec mes VCS. Ah ouais. Et j'arrive pour t'aider avec mes VCS. Ouais. Ça m'a l'air d'être une idée. Ah d'accord, donc toi t'es, je t'aide, go. Ah non, pas go, j'ai rien. Ok, pas go. Mais il faut go quand même, là. Ouais, mais viens. Let's go. Oh là là, bordel de sa race. On a perdu, ils ont réussi à se poser sur B2. Ah, c'est trop la merde. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu, je crois. J'ai plus de non. Est-ce que t'as toujours ton main? Mon CC, oui. J'en ai deux. Non, mais pourquoi elle se pose, putain? Allez, vas-y, le circle qui ne passe pas. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Du tout à ça, quoi. Oh là là, les bâtards! Ça, c'est pas normal. Ça devrait être illégal. Ouais, on aurait dû gagner. Le jeu était balèze. 0 sur 11, personnellement. Ah, t'es à 2 sur 11, 3 sur 11, 2 sur 30. J'arrive! C'est bon, on va pouvoir les niquer. Je les écraser avec ma caserne. Bon, un peu déçu. Un peu déçu, bah ouais, forcément. Mais c'était une très bonne idée ce qu'on a fait. Ouais. Si, il faut continuer dans ce sens-là. Ok. Mais attends, j'ai une troisième Rax qui arrive là. Ah, et donc ça va changer quelque chose ou. J'ai masse minerai, je peux encore jouer le tout pour le tout. Ah, t'as masse minerai 5. Ouais, 5. Deux marines contre 3 stalkers. Bon, écoute, je crois que c'est terminé. Je crois que c'est terminé aussi. On capitule, on dit un GG. Non, j'ai écrit Manor, please, et je quitte. Voilà, Manor, please, et je quitte. Je pense que c'était des diamants. Des diamants? Moi, je pense que c'était des platines. Je pense que c'était des diamants étoiles.
Diamant. Tiens, diamant, pas étoile. Mais diamant. Mais diamant. Mais diamant balèze. Diamant top 16. Cuddleton, lui, on a lui perdu ça me dit quelque chose. Lui, ça me dit quelque chose, Cuddleton. On a perdu que 2 points. Oui, c'est pas énorme. Ça, non, ça peut aller. Pas, non. Donc tu disais Cuddleton. Ouais, je crois que c'est un joueur très connu. Non. Ilyes Satouri ou un truc comme ça. Ah ouais, c'est comme ça. Non. Ouais. Je sais pas si tu connais, c'est un petit joueur. Non, et tout. Ouais, qui monte en ce moment. Ouais. Il a eu quelques affaires avec eux, avec des gens, avec des filles. Bon, bref. Allez. Molo. On va repartir dans une game juste après une toute petite pause. Yes. On se retrouve dans quelques secondes. Voilà. À tout de suite, mes amis. À tout de suite. De retour comme back in the last. Ah, je suis un petit peu dégoûté quand même. Non, mais Terran. Terran, c'est les games qu'on laisse aux autres. D'accord, comme Zerg. Non. Quand moi je suis Terran, c'est les games qu'on laisse aux autres. D'accord. Non, mais si, c'est vrai. Protoss, Zerg en face, éclaire-moi un petit peu de ta connaissance sur ce jeu. Protoss, Zerg. Ouais. Faut qu'on fasse des units en début de partie. Très bien. Donc, phase Banshee. Ouais, voilà. Un truc dans le genre. Ah, bah attends, si Colonie ça... lunaire. Pas top. Ouf, non, ça ne veut rien dire. Ah bah voilà. Protoss. Voilà, comme je disais, Phase Banshee. Phase Banshee. Avec des Zerg. C'est parti. Moi, je suis Protoss. Je suis Zerg. Cette poule. Non. Non. Non, joue, fais Rush Kaffar. D'accord. Ok, sur deux bases. La base. Oh, non. Si. Bah si. Tu peux all-in sur une. Moi, je fais Mass Stalker sur 4 gates comme un tard et on win. Voilà. Non mais je préfère de base. Ah ouais. Ouais. Parce que les mecs ils ont l'impression en fait qu'on est que sur une base. Enfin ou alors qu'on expo et tout. Et donc en fait non, on est en gros all-in. Enfin, ouais. Je préfère. Toi ouais. Bof hein. Ouais. Toi finalement. Je sais pas trop. J'ai fait une erreur dans mon BO. J'étais occupé à regarder ton écran. C'est pas grave. Non mais c'est pas une grosse erreur. Oui c'est ce que tu me dis à chaque fois. Puis après on perd les games. C'est pas une énorme erreur. Enfin bon. Alors, je sais pas si les gens ont vu le tricks que j'ai fait avec l'extracteur. Alors là, l'extracteur trick. Bon, là, on est quand même dans le niveau super. Alors là, les amis, on atteint des sommets de StarCraft 2. Là, c'est autre chose. Alors, à combien c'est déjà? Je crois que c'est à 14 où il faut. Ouais. Ouais, c'est à 14. 14, 15. C'est toi qui vois. Ouais, qui 16, vois. 17. Ça dépend de l'humeur, quoi. Ok. Ok, donc ça c'est fait, je suis parti à 14, je pense que je vais avoir le bon timing. Il y a un petit Zerg qui arrive. Je vais quand même vérifier qu'on se fait pas rush trouton là, ça m'énerverait un peu. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Y a pas un pylône caché là. Tiens, tu veux pas le tuer non plus? Tu es qui? Non mais tu es qui? L'ouvrier. L'adversaire. Tu le rattrapes. Je lui fais une zizou, je prends la... Tu as un coup de tête? Je prends la... Non mais non. Mais pas du tout. Mais enfin, allez-je. Une zizou, c'est ça aussi? Mais non. Est-ce que t'as vu que Zizou d'ailleurs avait fait une petite déclaration pour propos de l'équipe de France? Ah, je n'ai pas du tout vu. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il souhaiterait bien revenir à la tête de l'équipe de France, enfin quand il aura fini ses études d'entraîneur et tout. Il aura fini ses études. Bah ouais, ses études d'entraîneur qu'il a commencé il y a à peu près 10 ans. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire parce qu'en fait... Ok. Donc, plutôt, donc ça veut dire que les entraîneurs ont fait des études alors. Bien sûr, tu as une école d'entraîneurs, etc. Tu n'es et alors qu'est-ce qu'on apprend? 4-4-2 classique, contre-attaque bah, par les ailes. Je pense les stratégies, un petit peu, la communication. Les BO. Voilà, les BO. Donc là, vu que j'ai Chrono Boost sur du Supply Block, je passe sur ton écran. Ah, très bien, c'est ce qu'aurait dit un entraîneur aussi. Voilà, c'est ce qu'aurait dit un entraîneur. Moi, je suis pas très entraîneur. Entraîneur, Football Manager, c'est parti. Ouais, allez. Et tu nous en parleras d'ailleurs. Parce que, non mais parce qu'il y a une histoire derrière cette blague. Alors peut-être. Peut-être que je vous en reparlerai parce que il y a une histoire derrière cette blague. Sega n'est pas très très chaud pour la diffusion des matchs en stream. C'est vrai? Ouais. Ah ouais vraiment? Ah ouais bah j'ai eu des informations. C'est du foot tout ça. Bah, j'en sais rien. C'est bon, on n'a pas les droits. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est bon,
Ah merde, non. C'est bon, on n'a pas les droits. Ok. Donc, we'll see. D'accord. Donc, si, mais ça, voilà, pour faire un petit tease, ça serait peut-être un petit stream de Football Manager, 2 heures avec un petit fil rouge. On commence une équipe, genre avec l'US Luznac. genre par exemple. Par exemple. Pour prendre une équipe bien connue. et on essaye de level Luznac, up. Luznac, c'est quoi? C'est un club de CFA 8, c'est ça? Non, un club de National qui est dans le Tarn et Garonne. C'est marrant parce que Tarn, ça ressemble à Tarn. Ça me fait rire. Voilà, c'est tout. Très bien. Ah oh, si, c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo. Ah oh, si, c'est tout rigolo. Ça, il y a beaucoup de Tarnais qui sont en train de t'écouter. J'ai dit que ça ressemblait, j'ai pas dit que c'était tous des Tarnes. Et en plus, non, c'est même pas du Tarn, c'est de l'Ariège, je crois. Ah, tu vois, c'est toi qui fais des erreurs. Ouais, j'avoue là. C'est en Ariège idiot, il y a un type qui a dit. Genre vraiment. Ah ouais. Ah, Genre super énervé. Genre c'est... la prochaine fois que tu dis ça, t'es mort. Ouais. À mon avis. Ah, tu sais que j'en parlais dans mon émission de football. Quoi, de la mort? Hein? Mais non, pas du tout. Non, de cette folle équipe de l'US Luznac. Ah oui, évidemment. Ah, évidemment. Et alors que disais-tu? Eh ben, ils étaient pas très forts. Ah, ils sont pas top. Ils sont pas top. Hein. Bon, oula, oh la vache! Oh, c'est la fin. Allez. Non, c'est pas la fin du tout. C'est pas la fin du tout. Je vais juste perdre une queen et une B2. Et une B2. Mais par contre, va falloir que tu viennes sur cette B1. B2. Non, sur la B2. Okay. Sur la B2. J'ai des cafards qui arrivent. Ça va et complètement tout. Run by. Non, j'ai des cafards qui arrivent et tout. Normalement, okay. On les défonce. Go sur la B2. Qu'est-ce que tu fais? Ah, allô. Ouais, d'accord. Et parce qu'en fait, il était prêt à run by nos B1. Ouais, avec d'autres Zergling. Bah là, c'est parti, là, chez lui. Là. Il y a un Ops au-dessus de tes cafards. Je te le Pourquoi dis comme faire? Je sais pas, il y a un Ops. Donc il a 4 gates robots. Hein? Donc il a fait ça? 3 gates robots, pardon. Est-ce que t'es sérieux? Non. Allez, vas-y, go, parce que sinon, si on se fait défoncer dans la B1. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Le tout pour le tout. Oui, oui, ouais, bien sûr, tout ça. Regarde, il y a une B2 Zerg. Hop. Ouais, Bah, on va dans la B1. On va dans la B1. Ok, complètement d'accord. Par contre, ce sera peut-être Wall. Enfin, Wall. Semi-Wall. Non. Ouais, genre voilà, par ça. Oh là, bah, on va dans la B2. Oh la vache! On va dans la B2. Ah. Et prod les unités chez toi maintenant. Oula. Ça run by chez nous. Ouais, t'inquiète, je gère. Go sur prod la les unités chez toi. Derrière. Oh. Ouais, on a plus. On a plus. Oh, ça devrait pas le faire. On a bien plus. Prod par contre. Ouais, je suis en train de prod des unités. On a bien plus. Nous avons bien plus. Allez, rego sur la B2. Et moi j'ai refait une B2, hein. Donc tu peux commencer à B2 toi. Je suis trop chaud. Va falloir des unités là, Zerator, hein. Je préfère te le dire parce que t'as pas grand chose. On est à la maison. Et sur Limo aussi, faudrait tuer Limo un moment. Ouais. Limo ça va être bien urgent. C'est parti moyen là. Je sais pas si tu vois. Si il meurt. Les cafards. Il a un HP. Attends, j'attends qu'il revienne. Je voudrais le sniper. J'essaie de le sniper. Non mais je barre ici, mais c'est pas grave. Vas-y, fais gaffe quand même. J'ai pas d'unit. Vas-y, rego sur AB2. Sur les ouvriers, ils sont en train de prod. C'est bon. Tant mais attends, je suis pas aussi rapide moi. Hein. Oh là là, je vais vous montrer l'écran de lèche parce que franchement... Par contre, j'ai... Mais, je peux pas micro. Le limo. Voilà, ça c'est déjà ça. Bon allez, on livre. Non, bah non, trop tard. On a plus assez là. Mais tu rigoles? I wish you are rigolade. Non, mais je voulais dire on livre. Ah oui, d'accord. Enfin, oui, j'ai compris. Là, c'est dans bon. L'instant présent quoi. Alors, faut retourner sur la B2 un petit peu. Alors, ils sont apparemment pas au courant. Ah, oh, mes cafards, j'ai pas vu. C'est bon, t'inquiète, ça passe nickel. Ah ouais, ça passe. Oh là là, je suis pas top niveau gaz. Ah, moi non plus. Alors, on va peut-être pouvoir rego sur eux. Oh là. Assez d'énergie. L'Axel Naga, évidemment. Rogo sur la B2, à mon avis, il est en mode. Ouais, ouais c'est bon, maintenant on a gagné. Ouais, c'est bon. C'est bon, je prod. C'est win, de toute façon, Osef. J'ai 4 lings, mais j'ai 4 mauvais lings. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mode on va super vite. Ah! D'accord. Allez, là faut se def. Les immo, le gros focus. Non, j'ai fait nimp. Allez, on reback un petit peu. Non, attends, les élotes qui font du bien. Quoi, là, putain.
Sur les IMO, sur arrête les IMO. Arrête de focus, arrête de focus. Tu te fais brain là. Non, non, je te fais brain par ça. Imba micro. Non, trop fort. Go sur le Dreamo, l'autre niveau. Allez. Allez, reback sur la B2. Ah, il meurt pas la vache. C'est pas grave, c'est pas grave. Les airglings, trop fort. Rapide. Bon, on focus la B2, non? Non, les units. On aura pas assez pour les units. Focus la B2. On avait pas assez. Mais c'est pas grave, il faut tuer. On aurait pu kill la B2. Ouais, c'est pas faux. Mais il fallait tuer le plus d'units, à mon avis. Ouais, mais on aurait pu kill la B2. Même pas trop ce que t'as fait. Non, j'irai pas jusque là. Mais quand même. Ah merde. Assez d'énergie. Oh, on aurait pu kill la B2. Je suis un peu déçu. Allez, bordel de gate. Non, mais ils vont rester sur la B2, etc. Sur ma B2. De quoi sur la B2? Sur ma B2. Oui, j'y vais. J'y suis même. Mais en fait, là, tu pourrais avoir le bureau. Et là, tu t'enterres quand ils arrivent. Au lieu d'attaquer avec tes drones quand un tard. Là où tu n'as aucune chance d'en sortir. Bon. On y va? Rego? Rego, continuation push, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti pour le Rego. Je suis parti sur des mutas. Ah bah non, pas sur des mutas parce que j'avais pas fait la bonne bâtiment. Ok. Nickel. Pour l'instant, tout va bien. Allez, Rego sur la base. Et je vais peut-être commencer à mettre des tueurs muqueuses, qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Mais j'hésite des fois contre les ergs, parce que je me dis que... Ouais, non, mais pour partir de ta base, c'est quand même cool, quoi. C'est quand même... Oh là, on win, là. On win complètement cette attaque. Surtout si le Protoss reste seul longtemps. En fait, le zerg ne fait rien à part des erglings. Bah, donc d'un coup, il va y avoir 20 000 ultra, je pense. 20 000 ultra? Oui. Je pense qu'il est plus dans la merde que ça. Focus les IMO. C'est assez impressionnant, ce qui se passe sur mon écran. Oh, oui, vas-y. Ah, y'a plus d'immo. On a Allez. Plutôt gagné. C'est pas gagné, mais je focus juste les rennes. Parce que les rennes, ça fait toujours chier de plus en avoir. Stalker, un par un. Allez, voilà. Je la sens bien. Enlève celle-là. le pylône là. Le pylône? Ouais, y'a un pylône Protoss. Ouais, attends. Des mutas, il fait full muta. Il fait full muta, je fais full muta aussi. Ce qui est pourri, on est d'accord. Ouais, contre Stalker, c'est pas top. Bah ouais, c'est pas top. Je vais faire quelques Stalkers chez moi, manière. Vas-y, hit and run là? Non? Il y a quelques roches. Je suis en train de mac. Quelques. Ok. Ça me va. Heureux. Ouais, bon. Moyen, bien, bof. Qu'est-ce qui s'est passé? Please. Pas. I want some answer. Est-ce que je pourrais attaquer avec mes JT? Voilà, merci. Tu pourrais venir m'aider ou pas? Je n'ai plus rien. Actuellement. Ok. Okay. Pourquoi pas? J'ai des mutas qui arrivent, je vais le counter muta parce qu'il va venir chez moi. Counter mute. Ah, j'arrive chez sur toi. C'est à dire. J'arrive sur toi. Y'a trop de mutas, cher ami. Ah ouais, bah. Tu en as plus, ça fait plaisir. Ça fait plutôt plaisir. Tac tac, hop. Oh, bah j'en ai moins. Et tout d'un coup, j'en ai eu moins. Qu'est-ce qui se passe? Que se brasse-t-il? Je vais aller la race. Chez lui, il va falloir que tu nous défendes, mon cher Zerator. Contre quoi? Contre des mutas. Parce qu'il va sûrement venir à race. Ça. Bah après, est-ce que tu peux? Ouais, non. Voilà. Ah, j'ai pas fait de point de ralliement, la vache. Non, mais là, on arrive au stade de la partie où j'ai envie de live. Ah bon? Pourquoi faire? C'est le plus important, c'est le plus intéressant. J'aime pas jouer longtemps. Ça me fout. Je suis sur B4, c'est bon. Mon cerveau s'arrête. Ou non, bon. Ah, y a une base qui arrive ici. Non, c'est relou là. Non, c'est relou. Oh, je perds ma base. C'est relou, putain. Tu veux pas aller défendre avec tes mutas? Je vais warper quelques units. J'ai pas grand chose pour défendre. Allez, vas-y, j'arrive. J'arrive. Non, mais. Viens dans plutôt, ma base tout en bas. Je vais les counter. Non, je ne peux pas. Ok, je n'ai pas, t'abandonnes ma base. Ce n'est pas ça. Ok, non, mais j'ai compris. Ce n'est pas ça, Zerator. J'ai compris, pas de problème. J'ai compris ton manège. Et ouais, ma base est morte et je viens la défendre. Et alors? Et alors? Et moi, je détruis une base aussi. C'est pas le problème. What's the problem? Ouais, tes IMO là. Ouais, meurs. Ah la vache.
J'ai pas assez de minerais là, j'ai pas assez d'incômes. Oh merde, j'aurais dû run by et tout comme un tarde. Je l'ai pas fait. Ah, et c'est chez moi. C'est-à-dire ? Dans ma B2, c'est bon. J'ai mis 150 ans à réagir. Ok. Ok. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un problème de... Attends, je vais run by again. Est-ce que j'ai perdu toutes mes unités en bas ? Alors non, pas encore. Concentration, ça fait plaisir de... Oh là là, franchement, franchement... Je sais pas ce que je suis en train de fournir comme effort là, mentalement. Oh merde! Où sont mes unités? Actuellement. L'effort que je produis est hallucinant, mesdames et messieurs! Où sont tes... Ouais. D'accord. Oula. Bon, j'ai plus de base, enfin j'ai plus de ressources. Vous devez placer cela dans un champ d'énergie. Je suis là. Vous devez placer cela dans un champ d'énergie. Oui. Pourquoi faire ? Bien sûr, je suis d'accord. Bon, on parle pas beaucoup, hein, excusez-moi. Oh non, mais on est à fond, on est en mode... c'est bon. Là, je tryhard, mais tellement. Ah ouais. Est-ce qu'on pourrait éventuellement casser la base du Protoss ? Ouh là là, là, il y a un souci là. On pourrait ou pas ? La base du Protoss, je ne suis pas très au courant à propos de ça. Je suis en train de me faire défoncer. Ma queen. Bon, j'ai ma sunite, j'y vais. Ouais. J'y vais. Vas-y. Je go dans sa base. Je pense que c'est une bonne idée. Ah les multas, nice, nice. Viens avec tes multas, bâtard. Bon ok, défends pas ton pote, je m'en fous. Ouais, c'est bon, attaque ma base. C'est bon là, t'es bien ou pas? Ah, je suis pas mal là. Ok, bah faut me rassurer parce que moi je suis... Je suis mal. Je suis pas top. Ok. Je suis pas top. Regarde dans ma deuxième... ma non, je regarde pas là, je veux pas. Ma 25ème base. Trop occupé. Vos alliés livrent bataille. Hop, je cancel. Voilà. Hop. Voilà. Il y a des mutas qui vont arriver dans ta B2. Soon. Ah, ceci est un problème. Ok. J'amène donc des stalkers. Je suis là, dans les ombres. Ah non, ils arrivent pas dans ta B2. Ok, ils arrivent pas dans ta B2 en fait. Ils ont quitté. Nice. Oh, nice. Eh putain. Eh hey, on l'a. Eh hey, celle-là. Elle est énorme. Eh hey, on la mérite. On la mérite celle-là. 22 minutes je sue quoi. Waouh. Oh, c'était ma... chaud mais c'était j'ai bon. J'ai joué ma life. Ah, pareil. GG là. Ouais GG. GG les mecs. Ils n'avaient plus rien. Tout le monde écrit surprenant et tout. Mais parce qu'en fait ils étaient autant dans la merde que nous. Bah oui, plus. Parce qu'on attaque, en fait on s'attaquait comme des... Oh, diamant étoile. Papa, c'est tout, 44 points de gagné. Nice. Ça fait plaisir ça. J'ai joué ma life. Ouais, ça c'était cool. Il devait être deck d'avoir perdu contre des gold. Streamer en plus. Ouais. Oh là, on a eu des baisses quand même hein, au niveau du graphique. Je sais pas si t'es en train de regarder un petit peu. C'est un petit peu de la merde des fois. Hein. Ah. Mais on a bien joué. C'était cool. Mutalings là comme ça, regarde, t'as vu un petit peu stage, j'ai pas vu, en fait les gens ils sont en train de dire que le son est en mono, mais on stream depuis 40 minutes. Donc ça m'étonne un peu. Est-ce qu'on a un décalage de 40 minutes? Non, c'est-à-dire est-ce qu'il est devenu en mono ou est-ce que c'est en mono depuis le début? Auquel cas, pourquoi vous l'avez pas dit avant? Oui, ça serait une question. C'est correct. Ça que je ne comprends pas. Hop. Attends, je... Ouais, donc les graphiques... C'est en mono depuis le début. Donc les graphiques, tu nous en parles un peu Les graphiques, bah, je vais vous en parler très bien, mon cher Adrien. Oui, alors, parlez-nous des graphiques. Nous voyons un petit peu dans cette face nordiste, hein, actuellement composée de Bafeo et de Extreme, qui, ils ont eu... Des problèmes, et certainement différents, puisque nous voyons d'un côté le graphique bleu qui est... Et une forte baisse, hein, oui, à un moment, complètement. Alors que le graphique rouge, lui, augmente énormément. À propos de la valeur de l'armée. Alors, valeur de l'armée, qui dit armée dit unité, qui dit unité dit soldat, qui dit soldat dit attaque, qui dit attaque dit défense, qui dit défense dit but. Oui. Mon cher Zerator. Dit victoire. Qui dit victoire. C'est pour ça qu'on a gagné alors. C'est parce qu'il a fait des unités. Oui, alors, il a fait des unités. En fait, il s'est mis à produire des mutas. Et tout d'un coup, ça c'est la magie zerg. Ça c'est la magie zerg. Voilà, tout d'un coup, ça monte quoi. Tout d'un coup, ça monte. On oublie pendant 5 minutes les 20 larves. Et puis on arrive à gagner. C'est plutôt sympathique. J'ai un autre graphique pour vous, mon cher Adrien. Ah, attends. Non, parce qu'à un moment, ça a fait.
Et à ce moment-là, les gens m'ont dit que c'était en mono, donc peut-être. Je sais pas ce qui se passe. Bon. Alors, il y a d'autres personnes qui n'ont ni le son ni l'image. Allô, bonsoir, oui, allô. Non, mais c'est pas en mono, vas-y. Donc. Alors, un autre graphique, mon cher Zerator, oui. On va plutôt se focaliser sur nous, hein, étant donné qu'on a gagné la partie. On est quand même les meilleurs. À propos du taux de récolte des ressources, on a été plutôt similaires, tous les deux. Oui. Même si il y a eu une petite différence à un moment, j'ai pris ma B4. Mais oui, c'est ça. Donc voilà, du coup. Non, ma B3 n'a pas trop récolté. J'avais peut-être peu de drones, non? Ah, ok. Je peux t'avouer que. Ce que j'allais dire. T'avais deux bases de plus, t'as le même income. Mais non, en fait, j'ai posé B3, B4, mais la B4 n'a pas goldé, la B3 non plus. Je me suis fight avec des ouvriers sur ma B3. Enfin, oui, c'était un peu spécial. J'ai pas regardé trop toi ce que tu faisais. Ouais, mais, c'était le bordel. Mais fallait me dire. Toujours ralenti. Fallait me dire à un moment si c'était bien ou pas, parce que moi j'avais l'impression d'être. Pas bien. Si, d'être pas trop mal contre le Zerg, mais. Mais moyen. Ok. Mais moyen. Bon, 44 points de gagné, encore une comme ça, et puis on est quasiment premier. C'est vrai. Ouf. C'est ouf quand même le nombre de points qu'on a gagné. C'est vrai. C'est vrai que c'est incroyable. Petite pause. Après cette game de ouf. Évidemment. Moi j'ai besoin de souffler personnellement. Pareil. Donc on se retrouve juste après. Donc voilà. A tout de suite mes amis pour encore du 2v2 de folie. Tranquillement, hein, ils n'ont rien vu, c'est bon, ils ne seront pas au courant. On est reparti pour du SC2, tu m'as invité, j'accepte. Et c'est parti, deuxième de notre classement, mon cher Zerator. Il y a un mec qui a dit retour en mono, oula, c'est quoi ce son, c'est chaud, alors qu'on n'a rien changé. On est d'accord ou pas? On n'a rien changé, j'ai juste rebranché des choses. On est d'accord. Attends, on n'a rien changé. Attends, faisons-le en sourd et muet. Partir en il dit n'importe quoi. J'ai rien compris. What? Mais j'ai rien compris. J'avais la solution. Ah, j'ai rien compris. J'avais la solution. C'est en mono. Eh ben tant pis, on est en game. Moi j'ai une solution. Ouais. Ouais. Mais c'est il faut close explicit. Ouais, je sais. C'est pour ça que quand je dis tant pis, on est en game. Donc tant bon, pis. Bon, bah tant pis, on est en game. Lège, voilà. Aléatoire, Zerator, aléatoire, Alex Rider, aléatoire, Jill Marigno, aléatoire. Ok. Une game Que des aléatoires. Oui, qui sera full random. Hein. Ok, bon. Je sais pas. Ah, mais attends. Est-ce que c'est le bouton stéréo qu'il faudrait appuyer sur ta de mixage? Non, pas du tout. Le gros bouton rouge avec marqué stéréo. Oh, mais maybe. Mais non. Maybe. Il ment, c'est un mensonge. Tu mens. Tu mens. C'est pas en mono, tout est parfait. Menteur. Stop troll. Mais non, mais c'est faux ça. Ah, ça c'est faux aussi. C'est un counter troll. Ouais. Est-ce vous que... êtes relou à toucher les configs, ça marchait bien avant. Mais moi j'ai rien touché, on m'a dit d'un coup c'est en mono. Il est méchant lui. Oula. C'est bon. Deuxième partie d'affilée Zerg. Deuxième partie d'affilée Protoss. Et bah on est reparti. Par la même chose. On fait exactement la même chose, d'accord? Le début B2 avec moi, etc. Oh là. Vous n'avez pas assez. Avec Cafard, on all-in, on voit si ça marche. Et puis après, on part sur. Moi, je pars sur Link's Muta de toute façon. Bon, ça sert à rien de me dire que le son est mauvais, on fera tout ça après la partie. Moi, je ne sais faire que ça. Je sais pas si tu m'as écouté, mais je ne sais faire oui, que ça. Oui, Cafard, Link, Cafard. Cafard au début, et puis après Link's Muta, ouais. Ouais, voilà. Les trucs qui balancent de la merde, du pu, là, du poison, non, ça je fais pas ça. De quoi, du poison? Ouais, ah, ouais. Les Fungal Growth? Ouais, ça je fais pas. Les Fungal Growth des Amphistater. Non, ça c'est cheaté. Alors, tu sais que tu as un caillou à ta gauche. Pourquoi? Un caillou dans ta base à gauche. Et donc, qu'est-ce qu'il me veut ce caillou? C'est et mal donc, fit s'il le pète, non, c'est pas mal fit, mais presque. C'est-à-dire que si on le pète,
c'est la merde. Ok. Ok. Donc deux entrées. Tu es en train de close. Oui, bon, tu fais comme tu veux. Hein, c'est moi de toute façon, je suis zerg. M'en fous quoi. Ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vais prendre donc la baie de Fast, 14 de Péon. Oui, comme toujours les Péons, hein, qui les sont Péons. Qui sont revenus dans SC2. Toujours pareil, les Péons. 300 de gold, encore 150, tu peux pas me dépasser. C'est à combien de temps qu'on peut passer? Mass, ok. Mucho mass. Ok, pas de problème. Enfin, sinon, il y aurait des six pools, il y aurait des voilà. Oui, il y aurait des six pools. Des six pools, il y a pas déjà des pires que des six pools. Il y aurait pire que ça, Lège. Allez, boum. Ouais, c'est genre 4 StarCraft minutes ou 5 StarCraft minutes. Ouais, c'est ça. Ça doit être 5 StarCraft minutes. Ce qui représente 4 minutes 20 réels. Je sais pas, si tu divises par 1,4. loading, breakaging, Error. Buffer overflow. Voilà, c'est tout. Terminé. C'est Error. Error. Bon, allez, on continue de prod tranquillement. Toi, tu sais qu'est-ce que tu fais, on est d'accord. Moi, je vais être supply block. Très bien. très bien, on n'en avait pas parlé de ça pour encore. Pour commencer, mais, voilà. C'est une bonne nouvelle. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est bon, c'est calé. Alors, le Terran qui part sur fast orbital, je pense. Je sais ce que je vais faire. Une forge. Nice. Pour faire des canons à photons. Ah ah. Pourquoi faire? Pour faire de la défense. Non, fais des units. On part sur un all-in. Un all-in? Mais oui, on part sur Mascafar. Un no-lin. Un no-lin, exactement. Ok, on fait pas de lin. Pas de lin. Réfléchis. Pas de lin, I can fly. Nice, putain, nice. Allez, ça c'est parti. Hop, ça chrono boost, ça c'est fait. Ça c'est parti aussi. Est-ce que c'est ça l'amélioration? Non, c'est G. Pourquoi j'appuie sur Y? Je sais pas. Oh non. Qu'est-ce qui est attaqué? Oh non. J'ai réussi à faire mon over, ma reine avant. C'est parfait. Attends, Lège. Je fais 18 sur 28. Qu'est-ce qui se passe? Lège. Non, mais en fait, il n'y a pas de problème. Ah, bah, c'est bon, nickel alors. Ah non, mais parce que j'ai eu ma B2 en même moment, donc. Parfait. Tout simplement parfait. C'était prévu. Fabuleux. C'était prévu. Tout simplement fabuleux. Ok. Allez, boum. Bon, on a quelques trucs là qui sont là. Faut que je fasse des gateways, tout ça. Hein? Oui. Des portails. Ouais, des gateways. Des portails. Des portos. Oui, des portos. Oui, des portos. Oui, si, des portos. Allez, je vais faire l'amélioration plus 1. Ça va déchirer. Oh, ça va être énorme. Toi, ça va être énorme. Toi, t'es un mec intelligent, toi. Ça va faire 4 gates plus 1. Tu sais ce que c'est l'avantage de... Oui, tu sais. Bien sûr que oui. Tu peux tuer les links en 2 coups. Oui. Au lieu de... Au lieu de... Au lieu de... j'ai déjà dit la réponse. Je sais pas. Bien sûr que tu sais. Donc l'amélioration d'attaque plus 1, mes amis, permet aux zélotes de faire tac-tac et de tuer un zergling. Au lieu de tac-tac... Tac. Voilà. Donc ça, c'est cheaté aussi. Ce qui est quand même un avantage certain. Cheaté. Certain. Je dirais certain. Voilà. Après, t'avantages les protos, tu fais ce que tu veux. Ouais. T'as de la famille protos, c'est ça? J'ai... Non, pas encore. Ton père est Dark Templar, c'est ça? Zeratul, Zerator, c'est lié? Non, pas du tout. J'en étais sûr. Coïncidence, je ne crois pas. Recherche terminée. Ok, j'ai la getaway qui est prête. Qui est... Enfin, bon, bref. Ouais, tu me dis, hein, Kango, hein, moi... Alors oui, Marines, autant de Marines que de cafards, what the fuck, je suis en train de les 2v1. Nickel, continue comme ça. Ah, par contre, j'ai un cafard qui est... Pas de problème, hein, je gère. Et ben, on va go, hein, tout simplement. On va go, tout simplement. Ouais, go. Ouais, je suis en train de... J'arrive. Je ince. Tu nous mettras un petit pilon, hein? Il arrive. Ah bah, c'est bien. Eh ben écoute, je crois... Je crois qu'on a gagné, hein, sans vouloir vexer... Eh ben GG. J'ai envie de dire belle game. Merci Lège. Merci Lège, belle game. Bah de rien, hein, voilà. Qu'est-ce que t'as fait durant cette partie? Ah, ils ont double... D'accord, détarde. Voilà. Détarde, ne jamais faire ça en Terran. Voilà, bon. Bon bah voilà. Et bah j'avance. Et ben j'y vais. Et voilà. Donc la partie est gagnée. Bah grosse partie du coup. Ouais, grosse game. Mais grosse strat aussi. Grosse strat. Ça c'est de la grosse. Mais comme ça on va pouvoir régler nos soucis de son. Peut-être. Parce que comme je ne sais pas d'où ça vient. Pour le talion. On n'a pas encore gagné. Ah. Ah non, je sais pas. Moi je suis en acoustique maintenant. On va vous le dire. Ok, ça marche. Je prod, même des lings tout lent, et puis j'ai go. Je suis là.
Bon, et ce serait pas mal de quitter en face, comme ça. Ah non, non, la personne est en train de faire une usine. Plus de soucis de son, ne touchez à rien. Ah bon. Ah, ok. Ah bon. Et là, c'est parfait. Merci StarCraft 2 pour nous avoir résolu nos problèmes de son. Merci, merci beaucoup StarCraft. En partenariat avec XSplit et Audiobox. Voilà, voilà. Exactement. Mettons à ne pas déranger. Très bien. Merci Max Fab. Regarde-le. Ah oui, il a raison. Oui, oui, non, mais c'est pas faux. C'est pas faux de faire ça. Ah, je suis en train de me mais c'est mieux ça plutôt qu'il ait écrit un truc, tu vois. Ouais, bien sûr. Un truc pire. Mais on va attendre un petit peu pour. Un truc pire. C'est DND, hein, on est d'accord? Non. Donald. Non, c'est à droite là-bas. Et le truc rouge en haut. Très bien, occupé. Et voilà, c'est fini. Voilà. Il y a une personne qui voulait faire un coucou d'ailleurs, un bisou. Ouais. Est-ce que je... Alors F11. Pour les bisous. F11 pour l'historique du chat. Ah, très bien. Ah, parce que donc pour les bisous de surcroît. Pourquoi il fait une B2 ici? Ça n'a pas de sens. Et sinon, est-ce que c'est pas mal le petit écran à droite? Vous avez remarqué qu'il y a un autre écran, hein, c'est pas un bug. C'est mon écran, hein, les amis. Attention, il y a un bug. Faites gaffe, le son est revenu, mais il y a deux écrans. GG Noobs. Noobs, so sad. Alors, comment ça se passe quand on dit noob mais qu'on perd la partie? Alors, on est tard. Comment ça se passe? Alors, attends, diamant étoile, diamant petite étoile. Non, platine sans étoile. Platine sans étoile. Platine sans étoile. Diamant étoile. Et... Non, mais là, il y a un problème, là. Non, mais ça, c'était pas des diamants. non, mais là. Je te dis, je suis. Oui. Tu es Napoléon. Oui. Je suis Gengis Khan. D'accord. Moi, je suis. Donc, je suis plutôt. Okay. Plutôt petit. Plutôt. Ok. Moi, je plutôt, suis petit aussi, mais. Sur un âne. Voilà. Donc, Alors. Gengis Khan, non? Oui, comme tu veux. Oui. Ça me dérange pas. Hein. Je ne sais pas. Les deux screens, c'est trop bien. Eric le Rouge, si tu veux. Eric le Rouge, d'accord. Moi je suis Manfred von Richthofen. Eric le Rouge. Allez, instant quiz. Eric le Rouge. Qui était Eric le Rouge? Ah, je sais pas. Explorateur danois, en 752, il a découvert le pôle sud. C'est vrai? Je savais pas. À peu près. Je suis ravi de savoir. À peu près. Hein, bon, par contre, arrête de montrer que j'ai pas de culture en live. Mais je viens de m'en rappeler. Ça me gêne beaucoup. Buzz Quiz TV juste après. Non, je rigole. Non. Ça me gêne beaucoup. Non, mais en plus, c'est faux hein, ce que j'ai dit. Enfin, la majorité des choses. Hein, je... Ah bon? Pourquoi? Bah, la date. Et le pôle sud. T'as dit 742? J'ai dit 752. 750. Ah bah attends, tu sais quoi? Je vais aller voir qui est-il. Ouais. Mais peut-être qu'il a découvert l'Antarctique et pas le pôle sud. Alors tu dis qu'il a découvert quoi? Ouais, j'aurais dit l'Antarctique. Donc, explorateur norvégien. Danois. Non, écoute, norvégien. Ils se sont trompés sur Wikipédia. D'accord. En 752, bon, c'était entre 960 et 1003. Alors est-ce que tu sais pourquoi il s'appelait Eric le Rouge? Ou pas? Et les cheveux rouges. Oui. Alors il est roux et sa barbe est rousse. Voilà, donc ça me paraît plutôt logique. Il a fondé la première colonie européenne au Groenland. Donc pôle Nord. Donc alors, on résume bien ce que j'ai dit. Eric le Rouge, explorateur danois. Voilà, en 752, il a découvert le pôle sud. Voilà. Eh bien non, c'était un Eric le Rouge en norvégien, qui a fondé la première colonie au Groenland, mais il n'y a pas la date. Il a vécu entre 960 et 1003, c'est ça? 950 et 1003. Ouais. Voilà, donc j'y étais presque. Donc plutôt 53 ans. Plutôt jeune. Non, plutôt vieux. Ouais, plutôt vieux. Plutôt vieux, du coup plutôt vieux. Plutôt vieux, du coup. Bah plutôt vieux, plutôt dans la moyenne, je dirais. Oui, mais à partir de 50 ans, la vie ne... n'avait plus de sens. C'est pour ça qu'il est mort à 53. D'ailleurs. Oui, voilà, il a fait. Ouais. 53, c'est bon, 3 ans, je suis large. Ouais, GGGL. Ouais, GLHF. GLHF GG. Heureux, puis voilà. Live. Slash live. slash DND, allez. Voilà, c'est tout. Bon. Allez, une petite pause, et on se retrouve tout de suite avec toujours le son, toujours aussi bon. Bon, la game était très courte. Du coup, les gens vont avoir l'impression qu'on met que des bubs alors que c'est faux. Parce que c'est toujours pas de notre faute. Ouais, mais moi par exemple sur League of Legends, je mets une pub aussi avant, tu vois. Une pub avant quoi? Avant la game. Donc ils devraient s'estimer heureux. Vous devriez vous estimer heureux. Pour ceux qui ne suivent pas mes streams, estimez-vous heureux. Voilà. Parce que moi c'est moitié pub, moitié pub. Trois quarts pub, un dixième lol, et puis après j'AFK waiting screen. Voilà, nickel. Voilà, pour se mettre bien. 19h. Il est 19h? Ça passe à une vitesse. Une vitesse. Avec toi surtout. Et c'est ça, j'adore. Mais parce qu'on gagne aussi. Hein. Ah, du coup, on s'énerve pas, donc c'est cool. Oui, c'est plutôt pas mal. Là, je pense qu'on va lose. Là. On va rencontrer deux tardes. Là, on va rencontrer deux PG. Mais attends, après, deux diamants étoiles, encore une fois. Attends, je regarde le classement. T'as vu qu'il y en avait un qui était étoile et l'autre non? T'as vu ou pas? Ceci est bizarre. Ça veut dire qu'ils sont pas en AT, mais en RT? Ça veut dire... Enfin, non. Ça veut dire qu'il y en a un qui a le grade diamant étoile solo et l'autre diamant.
Et puis après, ouais, ils se sont mis en athée. Et non, parce que normalement, ton icône représente uniquement ton équipe. Très bien. Donc, je pense que c'était un RT forcément. Non, parce que sinon, c'est en RT qu'on devrait voir les diamants étoiles ou les diamants non étoiles. Je pense que c'est. Ils sont athées. Ah non. Ah non. Je pense qu'on a affronté deux mecs qui ne sont pas en athée. Et on a rencontré des mecs en RT. Ouais. C'est pas possible. Pourquoi? Ça, ça existait à War 3, je crois. Ah non. Tu crois? Ah non. En athée, tu rencontrais forcément un athée? Oui. T'en es sûr? Oui. Bah, honnêtement. Parce que c'est pas vraiment vérifiable. Oui. Ah oui, non. Oui. Ah oui, parce qu'il y avait les levels. Le level. Yeah, level. Donc, so level. Oui, mais là, c'est comme des levels. Là, ouais. les petites icônes. C'est bizarre. Attends, répondez-nous. Attends. Ou alors, peut-être, t'as mal vu à propos de l'étoile. Hein. Je vais résoudre ce mystère. Ça m'a saoulé. Ça y est, ça m'a saoulé. Donc, on ne fait pas. Est-ce que j'ai mal vu déjà? Ah, on voit pas là. Oh. Mais si, après, tu cliques. Clique où? Voir le profil. Ah oui, d'accord, mais bon. Oui, voir les légales classements. Regarde 2v2, il en a T. Avec quel nouveau tas? Eh ben non. Eh ben non. Attends. Eh ben non, on a rencontré un mec en RT. On a rencontré deux mecs en RT. True story. C'est nul ce nouveau truc. Non, c'est vachement bien, on peut gagner. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on se retrouve dans quelques secondes, yes. Les amis. Après avoir résolu deux mystères. Oui, le ça rouge commence à être... et le... Voilà. Allez, salut Eric. Allez, à tout de suite. Eric, tu nous regardes. Allez, à toutes. Que je m'aperçois que je n'ai pas lancé la game, toujours pas. Et moi, je ne suis plus sur IRC. Toi, tu essaies de te mettre sur Skype. Sur. Non. Non, IRC, avec X-Chat. IRC avec X-Chat. Ah, bah du coup, on ne voit plus ton écran qui est tout noir, c'est pas grave. C'est pas mal, attends, c'est bon, j'ai rego. Ah, c'est voilà. Bon. Parfait. Donc là, tu galères à te mettre sur IRC. Non, c'est bon, là, j'y suis, regardez. Ok, tu Wouhou y es. Tu y es, et bien nous partons en game là. Ah oui, effectivement. Ah, ça n'a pas reload, regarde. Genre, je pourrais rester comme un tarde toujours comme ça. Donc, c'est bon et tout, y'a pas de problème, on attend une game. On joue contre deux randoms, mais c'est fou ça. Ouais, c'est fou. Vas-y, go là. Ouais, bah c'est bon. C'est bon une fois. Oh la map, qu'elle est pourrie. Ah non, elle est énorme. Oh, je voudrais être Protoss. Ah, j'ai une strat sur ça. Faites que je sois Protoss, par contre, j'ai plus le BO. Hein. Tu étonnes bien. Alors, il faut être Protoss et que ça tombe sur la bonne map, enfin, pour bon emplacement pour eux. Sans que je scoute. Non mais dis-moi, parce que si je suis proto, je peux. C'est un photon rush. Ah, ici, regarde. Ouais, en te mettant là. Ah ouais. Alors, ouais. Ici ça marche. Ici mais ça marche. Tu sais qu'ils sont là. Tu les scoutes. Alors, comment dire. On va dire que c'est la luck. Oh, je suis proto. C'est parti. Est-ce que tu veux que j'envoie un VSTS scouter? Bah oui, si tu veux. Non, c'est trop tôt. Ils vont se douter de quelque chose. Non, mais si tu veux. Alors, attendez. Non, mais mec. Alors. Non, y tu en peux a pas. Un là. Tu non, peux pas. Là, c'est pas possible. Tu peux pas rusher. C'est où? C'est. Tu peux pas rusher. Mais si. Tu peux rusher là, à la limite. Si. On va trouver un non, moyen. Non, lèche. On va trouver un moyen. On va trouver un moyen de. Comment tu fais pas. Non, mais tu sais qui te voit en plus, hein? Attends, rappelle-toi cette Rax. Je t'avais dit. On te voit d'en bas. Tu m'avais dit non. On avait regardé le replay. Ils te voyaient effectivement. Donc là, ils voient ta sonde. Là, c'est parfait. C'est parfait. Oh, tu me c'est parfait, ne t'inquiète pas. En plus, c'est pas comme ça qu'on fait, faut faire pylône dans la base, forge, et ensuite tu fais pylône, photo. Non, tu fais pylône, forge, regarde. Tu fais après le Phantom Cannon ici, puis après tu reviens avec sans ta... Sans déconner, mais je sais très bien. Mais il faut faire la forge dans la base. Mais pas du tout. Envoie un scout. Je suis en train de le faire. Tu me gardes. Alors, bon. Bon, je vais wall, hein. C'est bon, un bout de ma alors, base, mais tant pis. Non, mais il faut, oui, il faut aussi se rendre compte qu'ils sont peut-être pas là. Oui. Aussi. Oui. Parce qu'on n'a pas tout dit à propos de cette stratégie. C'est-à-dire que c'est vraiment pourrave. Ah non, mais si ça marche, on a 25% de chance que ça gagne. Et ça peut être vraiment mauvais. Oh, c'est bon, ils sont là. T'as une luck. Ah,
là là, ça, ça fait plaisir déjà. Voilà. Hop, on va y aller avec le petit. Du coup, je vais faire double Raxa 11 dans ma base. Pour t'aider. Si tu veux, tu fais ce que tu veux. De quoi pour le mec? Nickel, moi j'ai ma strat. Elle fonctionne. Allez, qu'est-ce qui se passe? Je fais genre, ouais, je défonce les trucs. Tu sais que c'est un terrain, il pourra décoller. Tu as ta forge, hein, tu as ta forge. Tu peux y aller avec. Tu peux y aller. Ah ouais, mais non, mais. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'attaquer. Oh, mais ils sont bêtes, mais c'est pas vrai. Je vais perdre mon VCS, je rage. Je rage. Oh, je suis mal. Ouais, donc ça, c'est bon. La personne. Ils l'ont vu normalement. Mais t'as gagné, donc c'est pas voilà. Grave. Voilà, donc j'ai gagné. C'est pas très grave. Étant donné que t'as gagné. La 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 strat, la strat est vraiment malade quoi. Non vraiment. Oh merde. Relou, merde, là. merde. Ah non. T'as perdu ta sonde. Oui. Renvoie-en une vite. Deux. Non t'en as une là. T'en as une là. J'en renvoie trois là. On fait tourner le matos. Je comprends. Bon, moi j'ai un peu fait n'importe quoi là. Ah bon? Ouais, c'est pas. Fais de la macro, pose une B2, etc. Ouais. Enfin, je sais pas, fais des trucs. Oui. Oui, c'est tout le début. Alors là, ils ont un. Ok, un pylône. Alors, apparemment. Apparemment, tu perdrais ton canon et ça aurait complètement foiré. Alors, attends, parce que là. Là, je vais faire deuxième strat. Plan B. Plan B. T'as un plan B ou. J'ai un deuxième plan B. Un deuxième plan B, oula. Là, c'est vraiment une catastrophe. Quoi. Je vais mettre des pylons un peu partout. Oh là là. Ah, j'ai perdu mon photon. J'ai perdu. Mais oui, puisque t'avais un bunker. Ah merde. Et je te l'ai dit que ça puait, que tu perdais ton pylône. Et ton machin. Non, non, mais ils sont stressés là. Ouais, ils sont stressés. Ils paniquent, ils savent que t'as zéro macro. Est-ce que t'as des banshees qui sortent? Parce que là, normalement. Ouais, des banshees. Ouais. Mais normalement, t'as des banshees qui sortent. J'ai double Raxa 11, mais j'ai des banshees. Ouais, mais je te l'ai dit pourtant. Je te dis, go banshee. Par contre, je sais pas ce qu'il fait le Protoss. Il essaie de tuer ta sonde absolument. Gère ta sonde. Mineral Tricks. C'est bon. Oh là là, j'ai éloigné son stalker. La cite de ouf. Laisse tomber. Oh là là, mais quelle tarde. Bon, la partie n'est pas bien. Non, elle est pas top pour eux, honnêtement. Non, honnêtement, elle est pas top pour ils eux. Ils ont quand même B2. Hein. Moi aussi, j'ai B2. C'est du détail, la B2. Bon, quand même. Mais y'en a qu'un qui a B2. Hein. Niveau technologie, je suis un peu derrière. C'est-à-dire que. Ah oui, d'accord, t'as même pas fait de gateway, d'accord. Bah non, tard, non pourquoi faire. Oh mec, t'as toujours pas de gateway. Et sur la gaine, celle-là. En plus, je suis Terran. Hein, reste, ouais. Fais des banshees. Des banshees, Zerator. Fais des banshees, c'est la voie. Mais de quoi? Non. Y'a des stalkers en face, je vais pas faire des banshees. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire B6. Faire Master. Toucher. Oh, toucher. Je vais faire un Master, mec. Oh, oula. Ça va être énorme. Alors, je vais faire des immortels. Ça va être énorme. Mais non, tu vas faire des zélotes. Ah bon? Mais oui. Très bien. Bon, bah, sur cette partie-là, je vais te suivre. Fais masse zélote charge. Avec amélioré 3-3. Nice. Ça, un truc où il faut micro. Ouais. Waouh. Alors il faut quoi pour les torts, l'armorise ça? On fait tourner le matos. L'armorise. Ouais, on y va assez soon hein, quand même. Hein. Assez soon avec des torts, d'accord. Bah oui, non mais quand même parce qu'ils sont sur W2. Donc, Et en fait tu vas me passer tout ton gaz une fois que t'auras lancé tes améliorations. Très bien. Tu le prends comme ça. Ok. Bon, je suis pas top sur cette frappe. Mais... Si t'as décidé qu'on veut faire ça, est-ce que tu peux go B2 ou pas? Est-ce que c'est possible? C'est assez difficile. Mais. C'est assez difficile, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Bah, ça veut dire non. Ça veut dire que moi je go. Tu m'as dit de go sur les charges là, merdier là. Moi ouais, je go. Ouais. Tu sais, c'est bon, tu connais le BO. Ah bah là, je sais pas, regarde, là j'ai les 4 gates et tout. Ouais. J'ai la forge qui arrive, le conseil ouais. Crépusculaire, enfin bref, je suis. Ouais, ok. Je suis bien. Tu me parais bien. Ça m'a l'air. Je t'ai mis entre de bonnes mains là. Là les zélotes ça va. Là je pense que je vais prendre... Bon des torts, ça commence. Tu peux me passer du gaz ou pas? Non. Genre zéro? Bah. C'est 200 la charge. Oui, bah oui, mais j'ai ma forge aussi. Ok. Non? Bon, je t'en passe un peu. 150. Okay. 150? C'est quand même pas mal. Ils ont scanné chez toi, c'est pourri. Ils vont croire que tu pars Blinkstalker alors qu'en fait pas du tout. Gros brainage. Ça rapporte plus mal. Alors là, mon zérator. Alors là. Bon, moi j'ai deux torts qui sortent là. Ah, très bien. Ouais. Très bien. C'est et bon. Tu nous as fait une B3 apparemment. C'est juste pour le gaz. C'est juste pour le gaz alors et que t'as fait un orbital. Avec... Oui. Ouais, non. Parce que ça c'est pour les mules. Oui.
Pour les mules sur ma B1, puisque maintenant tu sais que les mules sur la gold, Osef. Ah bon? Tu, ouais. Elles, ah bah, elles récoltent quand même comme si c'était normal. Ouais. Ça n'a plus d'intérêt ce jeu. Alors moi j'ai la version collector du jeu, du coup mes torts ont des ailes. Oula, il y a un obs. Il y a un obs. Où ça? Il y a un obs là. Donc lève ta base. Oh my god! Lève ta base en mode super fast. Ok. Il est où l'obs? Il est là. Je vois. Ça va blinker d'ici très peu. Meurs! Ok, j'ai fait un scan pour rien. Très bien. Pas de panique. No panic, please. Je vais faire. I got this. Je veux retourner me battre. Bon, c'est bon, je gère. C'est bon? Ouais. C'est bon, je prends sur moi. Je prends sur toi. Mais écoute. Merveilleux. Prends sur toi. Là, j'ai combien de trucs au gaz? 4. D'accord. Hop. Du tort. Du tort encore. Est-ce que l'obs est revenu? Non. Faire un petit centre technique. Des tourelles anti-aériennes. Je suis complètement non, supply block. Non, fais pas ça. Si. Les tourelles anti-aériennes, c'est le bien. Bon, on fait ça. Et je viens de te voir poser un supply dépôt. Ouais, parce que je suis nul. Je sais, faut jamais faire ça, mais j'avais pas le choix. D'accord. Ça me permet d'avoir des torts plus vite. Je vais même faire sur un deuxième, je pense. Hop, voilà, sur le deuxième. En attendant que mes supplies sortent. Tu l'as refait. Oui, il vaut mieux faire ça. Et tu sais, quand t'es mauvais, faut pas hésiter. Ah. Hein? Faut pas hésiter à se dire, bon là je suis mauvais. J'hésite pas. C'est ça voilà. Que tu te dis. Voilà. Alors combien il faut? 8 ouais, fois 3, 16, 24, c'est bon? On est assez? 4 et 14, 12. Ça doit être bon, je pense. Oh non, ils sont relous là. C'est relou. Non, franchement. Non, sérieux là, c'est pas très fair play. Je trouve ça assez limite. Je trouve ça bon, voilà, voilà. Une fois, d'accord, mais... Oula, ça drop chez moi. Quoi, comment ça? Ouais, y a non un mais merdé. Attends, non mais là c'est relou, là, c'est relou. Putain. Nos alliés sont attaqués. Bon, j'ai Mastor. Attention, chez toi, dans tes minions. Va que tes minions. C'est bon, ils ont plus la vision. Ah, d'accord. Alors... je ne peux pas faire ce bâtiment une fois. Mais arrête d'attaquer ma raffinerie, qu'il est stupide, c'est pas vrai quoi. Ah d'accord, il y a Mazzelot chez moi, tu me défends, mais en fait tu me défends pas. Oui, je te défends qu'à moitié en fait. Comment ça se passe? La prochaine fois, dis-le. Donc on va bientôt être parti là. Moi je suis complètement chaud là. Je suis pas trop mal. Je suis parti sur conseil. T'as du gaz? J'ai du non, c'est gaz, bon, c'est bon. Un petit peu, mais en fait, je suis en train de partir sur les unités invisibles. C'est l'arc comme ça? C'est pas top, mais je peux faire des archontes qui sont top. Voilà, non, mais histoire d'en sortir, peut-être pour contrer une B2. Allez, quoi. Ils sont relous. Vas-y, go sur eux là. Regarde déjà là. Sur la gold. Sur la gold. Attends, je peux passer ou pas là? Ouais, je peux passer. Go les gars, bande d'abrutis là. Go sur la gold? Ouais, sur la gold. Non, moi je vais pas aller sur la gold, ok? Parce que mes stores sont tellement lents. Qu'on se retrouve. Ouais, on se retrouve après. On se retrouve un peu plus loin. Ça sent le mass immortal en face. Mais c'est pas grave, on a des élèves. C'est ça pas déchire. Faux. Ah, ils ont une tour Xenlaga, zut, ils nous voient arriver. Ah, y'a mass stalker, c'est nul. Ça, c'est bien nul les stalkers, ça les tords. Oula, y'a. Non, go, contre, go, go, non. Non, par contre, y'a des tanks. Y'a des chars. Donc, on va aller par là. On va aller dans leur super base de la mort. Attends, je veux juste. Ouais, je veux juste. Ouais, c'est bon, j'ai scouté. Je veux juste go. Juste go, please. Fast. Tu veux juste go, please, fast. Les tanks, comment on les manège? Les tanks, bah, ils vont devoir les avancer s'ils veulent nous taper. Voilà comment je vois le truc. Donc moi je reste... Moi j'anéantis leur base. La charge me fait chier. Hein. Go! Go, go, go! Ah, je suis trop loin, la vache. Ah, ça va. Ah, c'est la merde. T'as pas assez de zélotes? Ah ouais, je me fais... T'as pas assez de zélotes. On se fait dommage. On peut quitter la partie. Ah bon? Oui. Alors donc j'ai fait un point de ralliement comme ça, mais mes torts traversent la map, d'accord. Tu peux. Ouais, bah on a perdu. Hein. Eh ben c'est perdu. Là très bien. Bim boum. Bim bam. Bim boum. Bim boum. Bon pendant ce temps-là je perds ma B3. Ça c'est normal. Bah c'est loose. Attends, je suis en train de faire des pilotes, mais parce que t'avais qu'une base.
J'aurais dû passer un peu de minerai peut-être. Ah, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on a le loup. Tu le forces à scanner là, tu fais quoi? L'orbe des DT en chaîne? Ouais, c'est pas mal. Ah, il a scanné là-bas. Il lui reste encore mass scan. C'est comme c'est des joueurs qui macro pas. Ah. Ils sont toujours full énergie. D'accord. C'est un peu chiant. Ah, j'ai perdu ma raffinerie, d'accord. Et là, je perds ma. D'accord. On live? Ah bon? Ouais, on live. Pourquoi? Bah, on est bien là encore. Je suis là. Non, t'as du gaz. Mais t'as même pas B2. On est à 16. Si, j'ai B2. Oh, mec. T'avais vu ça? De quoi? Ça? Bah ouais. C'est à moi. Ah oui, mais y en a une à eux. Bah, y en a une à eux. Effectivement. Ok. T'as bien remarqué qu'il y en avait une à eux. Ouais, j'ai remarqué. Ouais. Bon, les torts. Je m'attendais à mieux, quoi. Ah, je récolte plus de gaz ici, c'est pour ça que j'en ai pas. Intéressant. Il faut donc récolter du gaz pour en avoir. D'accord. Vous pouvez pas deviner. Vous pouvez pas deviner. Donc ils ont plutôt rien. Non, je sais pas, j'en sais rien en fait. Ouais, ils sont plutôt en train d'attaquer. Ah, ah bon? J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je suis en mode stressé de la vie et tout. Je dis pas déjà. Dark Templar s'est fait OS. Ils ont un ops au-dessus de leur armée, donc maintenant c'est un peu plus chaud. C'est un petit peu plus tendu, c'est vrai. Je vais faire le. Je me fais attaquer, c'est ça? Non. Je vais faire l'amélioration des flammes bleues. Ah, les flammes bleues, les flammes bleues. Je vais faire ma cellule. Ou pas. Non, c'est-à-dire que. Oh, toi, tu vas faire que des élions. Du gaz. Ah, t'as pas de gaz. Non, j'ai pas de gaz. Pour tes DT là. En vrai, DT dans leur écho en bas, non? Ah oui, non, ok, des DT. Mais quelques DT, tu sais, tu mets 2 DT dans, ouais, avec 5 ouais, ouais, ouais. Zélotes. J'ai masse minerai, je vais faire masse baraque pour éviter ça. Bah, fais ça. Alors, j'ai combien de DCS? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu nous avais tous fait un supplé dépôt. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai plus de minerai. Si, j'ai encore du minerai. Je vais éternuer. Ah! Ah, ils ont scanné la vache, non mais j'aurais. Bon, là ils attaquent, on a perdu. Ah oui! T'as pas de char pour les. Non, j'ai pas de char pour les. Non. Ok, très bien. Tant pis. Non. Ça c'est. On a pas fait ça. Non, j'ai pas fait ça. Y'a pas de. Ok, y'a pas d'autres au-dessus de notre armée. Mais je fais des chars maintenant. Ah, très bien. Avec l'amélioration ou sans l'amélioration? Ouais, elle arrive. Sans l'amélioration. Elle arrive sous le blizzard. Donc attends, ça, groupe 4. Oh la vache. Bon, je vais montrer un peu ton écran, parce que mon écran... Ah non, non, ne monte pas mon écran. Si, mais moi, je suis au stade là. Tu sais, on a atteint les 20 minutes, ça y est. Ah, je ne peux plus récolter. Très mon bien. Cerveau est à l'arrêt. Bon, moi, les 20 minutes, c'est terminé. On ne peut plus récolter, Zé, attends. Récolter de quoi? Alors, regarde sur la B1. Ah oui, toi, oui. Ouais, parce que moi j'ai perdu tellement de VCS que ça va large. Ah d'accord, donc. Ah, c'est une strat! C'est une strat. Bon, t'as 3, 2. Pourquoi j'en ai 2 alors que. Ah voilà, 4. Moi, actuellement, mon souci se compose d'une façon très très simple. Oui. Je ne peux plus récolter, j'ai 49 sur 124 de personnes sur cette strat. Et tu sais quoi? J'ai une strat. Vas-y. Attendons qu'il s'empale. Et après, Zen. Et après, on les déboîte, un truc de ouf. Ah, et ça va marcher? Ouais. Opérationnel. Ouais. Ouais. Je suis pas sûr que ça marchera. Ah, question. Oui. Est-ce que tu peux me passer la télécommande que t'as à droite? Ouais. Merci. Je le peux. Donc j'ai 450 de gaz. Est-ce que t'en veux? Oui. 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 Maintenant que moi j'ai arrêté de jouer, hein. Ouais, je veux bien du gaz. Je n'ai plus d'unité à pouvoir en vie. Bah écoute, on va voir s'ils ont l'intelligence de. Non, garde tes drones. Ah ouais, là, histoire de bien te bloquer tes torts. Non, mais ça, on s'en fout, c'est du détail. Regarde, ouais, comme ça. Ah, nickel. Voilà, quand ils vont aller avec leur char là. Là, ils vont tous exploser là. Mais ils peuvent pas se mettre en bas sans que je puisse leur tirer dessus. Ah, j'ai pas mal de chars, hein. Honnêtement, ça passe. Honnêtement, ça passe, mais. Et écoute. Mais je suis terrain, question. Donc je vais pas gagner cette game. Question, ouais. Si par exemple ils prennent des unités capables de blink, comme les stalkers et qui viennent de l'autre côté. Non, ils sont trop mauvais pour ça. Très Est-ce bien. Qu'on descendrait pas là? Pourquoi faire? Attends, pourquoi tu descends? Voilà, juste pour me mettre un coup de pression. Attends, monte, qu'est-ce que tu fous? Mais, regarde, je suis posé. Oh, j'ai les aggro. Ils sont dans la zone d'aggro. Vas-y, poule. Regarde mon écran si tu veux. Oh le cool.
Ouais. Bah, c'est parti. Petite sonde deviendra grande. La B1, c'est la merde. Oh! Envoie 2-3 élotes, t'as des élotes là. Là, non, là, là, là. Si! Allez! De quoi j'ai coup? Hop, regarde! Mais je suis en train de tout perdre! Ah bon. Et non, je ne peux pas ramener les 8 à moi. Totalement impossible. Je passe quoi là, apparemment? Ouais, bah rien. Rien du coup. La base est morte. C'est cool. Les améliorations sur le Thor, ouais, ça va? Joseph. Mais en fait, j'ai pas. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je perds toutes tes unités le plus vite possible. Excuse-moi. Ça va marcher. Un peu de gaz? Ouais, non. Non, j'ai plus de minerais. Attends. Je peux virer tes sondes là en Mineral Tricks? Tu les virerais. Attention, parce que moi je suis sur toi. Oh, ça va faire mal. Il y a des storms. C'est parti, la bataille est lancée. Oh, ils prennent la sauce. Ouais. Oh, j'ai masse char, mec. Ils prennent la sauce. Ah, la sauce, mais alors la sauce. Et regarde comment je te défends, quoi. Vas-y, attaque. Mets-toi en réplique avec nous. Oh, ils ont pris la sauce! Oh là là, les tardes! Oh les tardes! Oh les tardes! Je te l'ai dit! Laisse-les s'empaler! Allez, on y va! On win cette game! Lège, on gagne cette partie! Ouais, vas-y, je suis en train de défoncer un maraudeur! Boum! Pourquoi je perds de la vie avec mes chars? Pourquoi je n'arrive pas à tuer un maraudeur? Allez, go! Est-ce qu'il a amélioré? À 1, c'est de la merde! On y va! Allez. Ok, il y a masse char, j'ai lose! Ah oui, c'était pas prévu! T'as même tes sondes aussi. Attends, j'arrive avec mes sondes. Alors, attaquer maintenant. C'est bon, je vais réussir à leur mettre un coup. Un coup de corne. Apparemment, non. Oh. Bon, bah, GG. Top 2 Vedo World. Ok. Voilà, juste pour leur une petite question. Et j'ai plus les. Ok, c'était bien avant. Et tu vois, encore une fois, étoile, pas étoile. Encore une fois. Ça voudrait dire que nous aussi, on joue en RT. T'as vraiment très mal joué. Avec ton photo de canon de merde, là. Non, mais en fait, t'as pas eu de chance. Tu serais tombé sur le Protoss. Alors, ça se fait, il faut trouver la bonne personne. Et que ce soit la bonne race. Et que ce soit la bonne race. Il faut juste qu'il soit pas Terran, en fait. Ouais. Zerg, ça va. Honnêtement, t'as pas eu de réussite sur ce coup-là, je trouve. Non, oh, mais t'es sympa. Non, mais. À retenter. Évidemment, je pense qu'on est tous évidemment, d'accord. Niveau veto de cartes, est-ce qu'on a veto des cartes? Non, on a rien veto. Voilà. Ah, on ne la veto pas celle-là. Ah non, on veto rien. Ça, je préfère te le prévenir. Combien vous êtes sur IRC? Combien vous êtes sur Dailymotion? Je vais peut-être. Ils sont 350 sur IRC. Très bien. Sur Dailymotion, je ne sais pas. Je dirais qu'ils sont 1885. Attends, est-ce que je peux. Oui. Que veux-tu? Ok, donc tu as dit en fait le nombre exact. D'accord. Oui, donc tu as regardé. Ah, tu voulais deviner. Oui, je voulais d'accord. qu'on devine tous les deux. Ah. Voilà. Donc t'es pas un mec marrant toi. Voilà. Je fais la tête même. Ok. Ça, petite c'est... pause alors. Bah ouais. Et on se retrouve. Attendez. Oui. Posez-moi vos questions et posez vos questions aussi à Zerator sur IRC si vous voulez. M entre crochets studio ou alors mon pseudo aujourd'hui c'est Lège avec un petit tiret, le tiret du 6. Hein, genre tiret Lège ou Lège tiret? Lège tiré. Je vais te mettre tout en haut de la liste, mon cher. Ouais, mets-moi tout en haut de la liste. Je serai à côté donc de. Bah, je serai en haut de vous, encore une fois. En haut du millébot, Lège, petit tiré. Une petite question, si vous avez ou quoi. Il est en haut. Petite affirmation à nous donner, une petite précision, allez-y. On est là, on est content. C'est le Cataclysme. Et ça revient dans 45 secondes. A tout de suite. Qu'est-ce que... D'accord, intéressant. Oui, Lège, réveille-toi. C'est reparti pour quelques questions peut-être. Crochet entre studio. Studio ouais, crochet entre studio. Et Lège avec un petit tiret. Les viewers demandent du 4v4 avec les viewers. Ah, il y avait un mode qui était sympathique quand même. Je sais pas si tu te rappelles. Là où avec une seule unité, le mode où je ne gagne jamais. Mono battle.
Mono Battle, c'est comme ça que ça s'appelle. On en fera peut-être un petit. Oui. Tiens, ça fait une heure et demie d'émission, on pourrait peut-être faire une petite pause avec un petit mode. Oui. Sympa, oui. Oui, 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 oh, oui, 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 oui. Ah oui, oui, ah oui. Alors on pourrait faire. Et aussi, on pourrait. Attends, avant, parce que t'as une très bonne idée, mais je pense que j'ai une très bonne idée aussi. Mmh. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors sociales, oui, bien sûr. Les réseaux sociaux. Évidemment. Les réseaux sociaux. SC2, ça dépend. Ouais. Ça dépend du YouTube, du. Et aussi de la Millennium TV 2. Exact. 1000 TV2 pour le Facebook, pour le Twitter. Lège LOL pour le Twitter, le Groove Shark, le YouTube, le Groove tout, Shark. Le, tout. Lège LOL, L-E-G-E-L-O-L. Tu as un Groove Shark alors? J'ai un Groove Shark. C'est vrai? Avec une sacrée playlist. Une sacrée playlist. C'est vrai, j'ai déjà vu en plus. Qui envoie du boudin. Et ce soir d'ailleurs, dans l'agenda, il y aura deux nouvelles musiques, les amis, avec un rocker des années 50. Je vous ferai découvrir tout ça. Il est mort à 22 ans. Ah, essayez déjà de deviner un petit peu qui c'est. J'attends vos réponses sur IRC. Tu et toi, tu le connais? Toi, tu le connais. Donc, je sais bien ce que je pensais. Voilà, toi, tu connais. Voilà, donc c'est exactement ça. Donc, je vous ferai découvrir ça. Ça sera ce soir dans. Est-ce que ça commence par un B? Oui. Ça sera ça. Pour Zerator, ton Facebook, ton Twitter, ton. Vas-y, dis-nous tout. C'est donc. Ce n'est pas Jeff Buckley. Ah, c'est pas Jeff Buckley. Voilà. Et ce n'est pas Madonna. Ni Elvis. Ou Buddy Gaga. Ni Elvis Presley. Ouais, Zerator sur Facebook et Twitter, Zerator SC2 sur YouTube. Voilà, terminé. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est bien. Qu'est-ce qu'on fait, je veux dire, dans le jeu? Un petit mode, Mono Battle? Ouais, alors j'essaie de retrouver comment créer des parties. Un Bono Battle? Un Bono Battle. Ok, un Bono Battle. Ce n'est pas Bono non plus. Charles Baznavour. Charles Baznavour. Kurt Cobain. Mais non, ça. Mais non, pas du tout. Non. Mais non, ça n'a pas. C'est pas ça le jeu. C'est pas ça le jeu du tout. Ah, il y a eu la bonne réponse. Ah, deuxième bonne réponse. Oh, voilà, comme ça, ça c'est fait. Billie Holiday. Voilà. Allez, qu'est-ce façon, que. Attends, non, mais j'ai. Je... Arcade. C'est évidemment Arcade dans lequel il faut aller. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu as dit Mono Battle? Oui. Mono. No. Battle. Donc, une équipe chacun? ZRT Zerator oui. Pour être avec toi, ZRT Lèche pour être avec moi. Je pense qu'on peut se faire ça comme oui, ça. Oui, 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 complètement. Ok, bah alors c'est parti. Je vais aller recruter mes soldats. Alors, où êtes-vous mes soldats? Vous êtes actuellement 14. Il nous faut 3 personnes. Venez dans ZRT Lège si vous voulez jouer avec moi. Je crée la game. Je vais déjà la télécharger apparemment. Oui, tu vas la télécharger. Moi aussi d'ailleurs. Et, très émo. Et bon. Je sais pas si ça va marcher. Si, pourquoi ça marcherait pas? La dernière fois, ça avait pas marché. Il y avait une map qu'on avait pas réussi à DL sur ce PC. Je me rappelle pas. Mais bon, là ça a l'air de marcher. Donc du coup, c'est pas mal, on va arrêter d'en parler. Oui. 22 personnes dans le canal, dispo. Ouais, bah, est-ce qu'on est premier de la Ligue Gold? Je vous vois bien en deuxième, à 10 points. Ah oui, on a perdu. Ne nous t'inquiète pas, ça oui, sera fait ça viendra. Avant de la fin de la soirée. Ok. Je ne quitte pas ce plateau avant d'être personne premier. Personne n'ira se coucher tant que nous ne serons pas premiers. Je préfère vous le prévenir tout de suite. Ok. Et la semaine prochaine. Pour ça, il faut que j'arrête de tomber Terran. Ouais. Et moi, peut-être Protoss. Nickel. Alors, dispo, alors je vois bien que tout le monde est habitué avec TFNCraft, etc., en spammant les trucs. Ça spam. Moi, je voudrais bien avoir une autre façon de sélectionner les gens. Mais si, il faut spammer. Spammer. Sur ZRT Zerator, spammer. Il faut spammer. Alors, moi, je vais plutôt vous demander. Effectivement, ça ne marche pas. Lecture du flux de données. Effectivement, j'avais oublié. Tu es en lecture du flux de données. Et comment on avait fait? Ah, on n'avait pas fait. Mais si. On avait fait du Star Striker, non? Oui, mais ça avait marché sur Star Striker. Regarde. Et ça marchait pas sur Mono Battle? Bah, je crois qu'on avait pas essayé Mono Battle, on avait essayé un autre truc, mais ça avait pas marché. Ok. Donc, comment tu vas sélectionner tes gens? Bah, je pensais. Moi, j'aime bien, tu sais, les quiz hein, de culture générale. Donc, par exemple, okay. Quand est née Catherine de Suède, notre charmante reine de Suède? Bah allez-y, c'est parti. Tu connais la date? Non. Je ah, connais même pas tu l'époque. Comptais sur moi pour les vérifier. Je ne connais même pas l'époque, je dois t'avouer. Ça doit être. Voilà. Allez, il sort de. Donc c'est celui qui tape le plus vite sur Google, quoi, ton quiz. C'est oui, ça c'est ça, oui. Oui. Bah, tu sais, c'est pour tous les quiz comme ça. Ça y est, je sais en quelle année elle est née. Ah, j'aurais mis ça 400 ans plus tard. Comme quoi. Comme quoi. Alors, on n'est pas toujours. Est-ce que. Oui, donc, alors. Alors, attendez, alors ne spammez pas. What? Alors mais. La bonne réponse est 1322, bonne chance. En
fait, c'est pareil. C'est ouais, juste... non, mais moi, je vous ai pas dit de spam la réponse après. Ça ne sert à rien. Il y a un mec qui vient de dire le 16 décembre 1632. J'y étais. Je m'en rappelle, il y avait de la pluie. Et c'était un mardi. Je me rappelle, on a dû changer d'hôpital, c'était un bordel. Enfin bon. Bon alors bon, on va changer une deuxième fois de... Donc moi je vais inviter les gens qui spamment, hein. Allez hop, invité. Ouais, donc, ce, bon, soir, bon, ce sera Jules, Arthur Dent, okay, et Midlove. Je vais faire pareil, hein, je vais faire pareil, je suis pas... Dis-moi qui tu veux prendre. Alors tu vas nous prendre... Non non mais tu fais clic droit sur un mec au hasard. Ah non comme... Non. Ah, non, c'est clic droit pas. Sur un mec au hasard. Il continue de spammer. Vas-y, même clic droit. Et là tu fais suggérer pour une partie. Ah nice, ok. Voilà. Non mais t'as pas besoin de... Voilà, tu fais juste ça, tu reprends au même endroit, tu fais clic droit, y'a pas de problème. Voilà, ce sera Tyriel, Noxis, et Barotz. Très bien. Ok. Ça bien, roule. Vous allez être avec moi, à chef. Vous allez être avec lui, à chef. Comment on voit un petit peu le lobby de la game là? Alors faut réduire le chat, un peu. Et voilà, c'est bon. C'est de pire en pire. Il y a un mec qui a dit le 16 décembre 1322 était un jeudi. Ah, excuse-moi. Ah. Please. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut dire c'était quel jour.com, un truc comme ça? Je pense que tu tapes, oui, tu tapes 16 décembre 1632. Ça... Ah, tu crois que c'est. Ah ouais, tu crois? Bah, peut-être que ouais, dans les premiers liens. Sûrement. Alors, 16. Ou le calendrier, tu vas jusqu'en 1632 sur ton. En bas à droite. Ouais, non, mais ça, c'est relou, ça. Alors, 16 décembre 1322. Jeudi. Voilà, alors il y a écrit sortir à Paris le jeudi 16 décembre 1322. Soirée, concert. Donc je vais cliquer quand même, ça m'intrigue, hein, tu m'excuses. Donc en 1322. Ah ben voilà, ben, il n'y a pas d'événement. Ah donc le webmaster a fait les trucs en fait jusqu'à Jésus-Christ apparemment. Enfin, il n'y a pas d'événement ce jour-là sur paribouge.com. Si si, je m'en rappelle. Si, il y a un spectacle, il y a quadrille. Putain. Au théâtre Édouard VII. Mais what the fuck? Et on peut conserver les places? Comment ça se passe? on va appeler. Est-ce qu'on peut payer par PayPal? Est-ce qu'ils acceptent le PayPal? C'est on ça. On va appeler. Question. Oui, j'ai vu dans votre calendrier le 16 décembre. Oui, je voudrais réserver parce que bon. Pour le 1322, bon, ça va être plein, je sais. Donc. Je sais qu'en général, quadrille, ça se joue à guichet fermé. Comment on fait? On peut pas remonter au-delà de 1980 dans le calendrier Windows. Tiens, en parlant de théâtre, est-ce que tu as vu ce fameux théâtre? Oui, je l'ai vu. On ira? Dans lequel ils font des films de cul, c'est ça? Voilà, pour parler crûment, oui. Non, mais c'est-à-dire que tu vas... Et alors, non, mais j'ai pas compris alors, ça sert à quoi? Alors, tu vas voir et c'est un tournage, c'est ça? Ouais, c'est un tournage. J'ai l'impression que c'est très glauque en fait, parce que j'ai lu l'article, etc. Je crois que c'était dans Libé. Ouais. Je crois, hein, je suis pas sûr, ou dans le Figaro. J'ai rien lu, mais enfin, bon, j'ai entendu parler, parce que tout le monde en a parlé à la GH pendant une semaine. Ouais, voilà, tout le monde était chaud pour y aller. Donc, et en fait En fait, ouais, c'est un tournage de film pornographique. Ouais. Et donc, tu es assis sur des chaises de théâtre, etc., tranquillement. Et il y a du public, c'est ça. Et il y a du public. Et alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de l'intrigue, du suspense? Bah, apparemment. Tu fais des oh, ah. Non, apparemment, c'est beaucoup plus scénarisé. C'est pas qu'un film de boule, etc. C'est ah. Un peu. On va genre dire jeu un sac. Jeu d'acteur et tout. Un scénario de film érotique avec. De la pornographie dedans. Alors les scénarios de films érotiques, on est d'accord? Ouais, j'en ai des très bons. Ouais. Emmanuel? True Story. Bonjour. Non. Bah trop, ouais. Bien sûr. Ouais. Bon, allez. Et sinon, allez, on est parti. Si on lançait la game? Bien sûr. Y'a un mec qui a mis bon, vous lancez la game? Et c'est au théâtre des deux couilles, je crois, ou un truc comme ça, ou des deux boules. Sussoir. Au Sussoir. Et ça a déjà existé en fait, ils ont juste repris l'idée. Parce qu'en fait à la base c'était théâtre ce soir. C'est le vrai théâtre. Et non. Ils ont modifié le nom en Sussoir. D'accord, peut-être. Mais l'idée de la pornographie au théâtre, etc., c'était au théâtre des deux boules. Et alors les acteurs, comment ils font? Bon bref, on va arrêter de parler de ça. Mono Battle. Ouais. Team A. Team B. Team X. non, c'est pas facile, hein. C'est comme quand on fait du Slender pour reprendre après sur un autre truc. Attends, je viens de me dire un truc de ouf. Ouais, vas-y. Apparemment, Emmanuel serait décédé aujourd'hui. Non. D'un cancer. Non, c'est où? Alors là. J'espère que t'as pas vu mon écran. Non, j'ai pas vu ton écran. Mitten Starcraft 2. Je ne savais pas. C'est vrai ou pas? Il y a une heure. C'est pas vrai. Non. Attends. Ah. Non, il y a un article qui est... C'est non, attends, Sylvia Christel.
décès, il y a 7 heures. C'est pas vrai. C'est fou. C'est un truc de ouf. Faut qu'on arrête de parler des gens. Je me sens pas très bien. Il y a... Je me sens pas très bien. Tu peux mettre la clip, s'il te plaît. Il y a une vidéo. Il y a une vidéo. Tiens, bon. Emmanuel 4, bon, bref. Bon, bref. Ils en ont parlé sur tous les journaux. Alors, il faut que vous soyez au courant à propos de ça, c'est que... Nous, les journaux, c'est minium.org. Juste, Emmanuel. Mec, Sylvia... mais c'est un truc de fou. Ouais, ouais, c'est ouf. Sylvia. Attends, mais j'en reviens pas, quoi. Sylvia Christel. Je me sens très mal. Je me sens très, très mal. J'ai enlevé la cam parce que je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Ça va aller, quand même. Ouais, ouais. Ouais, je sais pas. Tu peux piquer une bonne unité. Tu peux prendre des lignes, si tu veux. C'est bon. Non, random, hein. Random parce pour que tous. Je vous l'ai pas dit, mais. Random pour tous. Mais, ah merde, j'ai oublié de mais c'est qui le... c'est Emmanuel? Mais tu ne connais pas Emmanuel? Et bah va voir. Attends, j'ai oublié de le dire dans le lobby. Voilà, random. C'était la première grande actrice de films érotiques. On la remercie, bien sûr. Donc je suis tombé. Elle a bercé nos nuits avec Zerator quand on avait 5 ans. J'ai eu Sentinelle. Alors, Sentinelle, Maraudeur, Infestateur, Archonte. Ça, c'est pour nous. Yeah. Ah, j'ai eu une Sentinelle dès le début. Quoi? Ah non, c'est juste. Oh là là là, oh là là. Alors bon. Attends. J'ai compris qu'est-ce que j'avais. J'ai vous compris. N'avez pas assez de minerais. Ah, ok, ouais. Donc vous avez Zerglin Cafard. Ok, on a perdu quoi. Bon, alors le mec qui est sur. Donc le mec qui fait les Zerglin, il six-pool, il a gagné. Hein. Le bombardier là, machin. Donc bah, toi, le conducteur, tu peux quitter la partie. Bon, tu vas wait, t'inquiète pas. Alors attends, il est à ma gauche. Ok, il est à ma gauche. Baisser le son, son jeu est trop fort. C'est parti, Tyriel. On est chaud, on est bon, on est beau. Dédicace à Neymar et Bolchegeek. Alors Bolchegeek qui est un joueur qui a joué dans le Funcraft de cette semaine et qui a gagné une map qui n'est pas gagnable. Ah nice. Non, c'est à dire que bon, je sais pas, bon, tu dois pas connaître mes maps de Funcraft, mais en gros, il y a une carte où tu dois contrôler la zone pendant 5 Starcraft minutes. Et il l'a gagné genre en 10 minutes. Je l'ai joué. Ah c'est vrai, tu l'as. Et ben il l'a gagné genre en 10 minutes. Vous n'avez pas assez genre truc de fou. La BJ. Ce n'est jamais arrivé. Et comment il a fait? Il a fait un Reaper et derrière il a all-in sur Bio Ball et personne n'a réussi à le détrôner. Ah ouais, d'accord. Non mais complètement ouf. Complètement cheaté. C'était incroyable. Okay. La foule était en délire. Ah bah j'imagine les bien, femmes dans étaient le nues, studio. Enfin, c'était un truc de ouf. Ah les culottes arrivées. Ah ouais, les Emmanuel culottes... arrivé aussi. Arrête, non mais arrête. Parle plus de ça, ça suffit. Franchement. Bon, j'ai fait un pylône à 10. Hein. Bon, j'ai fait un pylône à 10. parlons de ça. oui, alors non. J'ai fait un pylône à 10. Hein. Tout va bien. Allez scouter les mecs, moi je suis parti. Je préfère que des. Ah, mais c'est vrai qu'on n'est pas ensemble! Pas oh fuck, j'avais complètement oublié. Pas du tout. Ouais. De toute façon, il n'y a pas grand chose à regarder. Mais toi, t'as Sentinelle? Ouais. Merde. Ça veut dire qu'il va falloir que micro. Voilà ce que ça veut dire. Pas micro. Mais... Ah, ça c'était la musique de Daniel. Mais non, c'est la musique des Mono Battle qui est celle de la vidéo Trumpets de Day 9. Mais je sais. And then you know what happened over sudden? Trumpets. Voilà, tu connais pas, bah oui. Mais évidemment que tu connais pas. Et pourtant tout le monde connaît. Non. Je te montrerai après. Non. Vous tout mon audimat, personne connaît. Ah, oui, ça c'est possible. Comme Emmanuel. C'est possible. C'est qui cet Emmanuel? On en fait que d'en parler. Vous allez voir, mais il y aura sûrement des émissions d'hommage, j'espère. Hein, Emmanuel? Des émissions d'hommage. On peut en faire une d'ailleurs. D'ailleurs, on va commencer tout de suite. Amenez-nous des. Enfin bon. Bref, ça suffit. On est dans la game, on est bien, on a une unité à faire. C'est bon. C'est gérable. Ça devrait aller. Ah, y'a un mec qui a mis quelle est la strat, on n'a pas répondu, il a mis ok donc aucune strat. C'est à dire que c'est mono battle, tu vois, c'est. Moi je pars. Attends, je vais lui dire. Quelle je pars strat. Sur Sentry. je pars sur Sentry. Je go cafard. je go cafard. C'est bon. Je pense que tout le monde est d'accord. Nonce, Kabuto, balance. Allez, les reines. Bah oui. Je t'ai mis en hall, sale noob. Et voilà, bim, alors. Ça c'est un peu fan. Ah là, ça. Non, aucun respect pour. Ah, mais moi, les gens qui méprisent, je les adore. C'est les meilleurs. Le mépris vaincra. Peut-être. Ça dépend dans combien de temps. Peut-être. Un jour. Soon Blizzard. Please. Soon, please, OMG. Vous n'avez pas assez de minerais. Vous n'en avez pas assez du minerai. C'est lui qui le dit, hein. Vous n'en avez pas assez du minerai. Ça se passe bien pour toi, Lège? Ton équipe n'a pas trop l'air stupide? Moi, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller aussi. Moi, ça a l'air d'aller de mon côté. Ils sont plutôt chauds. Comme des baraques à frites.
Non. Et voilà. Ok, très bien, mais c'est surtout ici. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai participé au Funcraft 12. Toutes mes félicitations. Merci. Ça veut dire que le mec a quand même été resélectionné. Il y a des mecs qui me disent, ça fait depuis le premier Funcraft que j'ai participé, j'y arrive pas. Parce que c'est full random. Ouais, voilà. Et il y a d'autres mecs, t'as l'impression qu'une émission sur deux, ils sont là. Donc il doit y avoir des pro tips. Ah, ouais, ça lag, je sais. No panique. J'ai voulu prendre la main. Ne cède pas à la panique. Qu'est-ce qui se passe? Ne cède pas à la panique. On fait quoi? Qu'est-ce que... Ouais, des gateways. Bon allez, go tout le monde là. C'est bon, on, ah est... Bon on est tous prêts. Ah bon. Donc moi j'ai environ une minute. Environ. Ah mais je peux faire des photons de canon peut-être. Ah non. Ah si. Ah non. Ah genre. Ça c'est de la triche monsieur. Quoi de la triche? Tout ce qui est trichable dans cette map ils l'ont enlevé. Ah bon? Ouais ouais. Genre y a que les sondes qui peuvent attaquer. Si tu fais d'autres units genre tes queens n'ont pas la touche attaquée je crois, un truc comme ça. Enfin y'a des conneries dans le genre. Ah donc t'es forget. Forget. Mm-hmm. T'es complètement forget. Hop là. Ok, cool. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les unités... Alors, je vais leur faire un rally point. Vous n'en avez pas assez du minerai. Hop. Vers ici les mecs. On va vers ici. Bon, vous n'avez pas assez de pylônes. Non, ça, bah, ça change un petit peu. C'est bien, ça change. Ouais, voilà, ça dit pas tout le temps la même chose. On varie dans StarCraft, c'est plaisir. Il faudrait que je regarde quel est mon rendement de gaz pour faire assez de gateway pour produire en permanence. Est-ce que c'est possible? Oui. J'imagine que c'est possible. J'imagine que c'est possible. Alors, tu sais qu'il faut. Alors, attends, à ton avis, écoute bien ce que je vais dire et essaie de répondre. Oui. Combien? Oui. Combien faut-il de sentries? Stéphanie de Monaco! Combien faut-il faire de sentries pour bloquer une pente en chaîne avec des force fields? En comptant la régénération de l'énergie. Essaye de deviner. Non. Mais non, non. Ouais, pas du tout. Il y a un mec qui a mis la mer noire. Ce n'est pas la mer noire. Alors combien à ton avis? Bah, j'en sais rien, il me faudrait la régénération de l'énergie, etc. Enfin... Non, 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 je au te pif. Dis, voilà. Au pif. Au pif pif. 4. C'est non, plus. C'est plus. 6. C'est plus. 18. C'est moins. J'imagine. 9. C'est plus. 12. C'est moins. 11. C'est moins. 9. Non, 10. 10. Alors qu'est-ce que tu dirais de ce chiffre? Eh bien, je dirais que c'est un gros chiffre. Je dirais que c'est un bon chiffre. que je dise de plus sur ce chiffre. Je dirais que c'est un chiffre correct. Entre 9 et 10. Entre 9 et 10, by the way. Voilà, ça c'est fait. Vos guerriers ont engagé le combat. Voilà, ça c'est fait. Alors, j'ai pu regarder moi à partir d'un moment, j'étais en train de macro. J'étais en train de macro, dit-il. Mais écoute-moi ce troll. Non, mais c'est bon, on est bien là. Voilà, Proto Simba. Moi je suis pas mal. J'ai pas été super mauvais dans la micro, ça aurait pu être pire. Bon, j'ai pas été tip top non plus, mais. Allons-y! Tous de bas ennemis? Ouais. Ça. Ah, je suis tout seul. Tout seul. Okay. Non, on ne peut pas attaquer cette armée. C'est impossible. Alors, qui c'est qui voulait. Ah, mais c'est. C'est mes cafards. Oh, nice! Oh, c'est mes cafards, merde. Non, Oh, nice. I'm dead. I'm dead. I'm French. I'm dead. I'm dead. I'm actually dead. Oh well. Et là. Meurs! Moi j'ai que des pompiers, hein. Masse lance incendie là. La base de vos alliés est assiégée. Comment ça, la base de vos. Ah, des battle cruisers! J'avais oublié. Oui, effectivement, oui. D'accord. Et bah adieu. Et bah j'y vais. Ezerator qui est en plein dans la B2 de Baroth. Je suis bien. Et Baroth, il te voit arriver, et donc qu'est-ce qu'il fait? Complètement FK. Et balance une petite mule. Là, il y a des battlecruisers contre mes sentries. Ça va très bien, bien, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, les sentries, gardez votre sang-froid. Voilà. Et on a un gros team play parce que tout le monde a été défendre la B2 de Baroth. Ouais. Et ça fait plaisir. Et moi, personne ne m'a suivi par contre. Alors moi ça fait plaisir aussi. Moi mon équipe niveau teamplay, à revoir. À revoir.
C'est dommage, on aurait pu gagner la partie sur cette action. Ah, plutôt décevant. Plutôt décevant, t'as dit. Hein. Plutôt déçu. Du coup, ça fait qu'on va plutôt perdre. Et comme toujours, je gagnerai. Non, bah là, là. Là, j'ai envie de dire. Là, c'est la combo, là. Là, j'ai envie de dire, c'est pas ma faute. Évidemment. Enfin, nous gère pas entièrement, on va dire. La base de vos alliés est assiégée. On a quand même une compo late game de ouf. Hein. On pourrait win si les archontes n'étaient pas sur des cafards. Et sur des battle cruisers par exemple. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Allez, okay. Zerator. Non, ah, I'm gonna kill you. Non. Ah, les sondes. Bonjour les sondes. Alors, tard mode. Activate. Activé. Okay. Bon, donc, il a pas envie de fungal, ça non, y est. Il a fungal, mais c'est bon, on peut toujours attaquer même si on a fungal. Ouais, oui, bah oui. Ouais, je défends un allié et voilà, tard mode SC2, BJ, je n'ai plus d'unité, mais tu n'as plus de PR. Mais je n'ai plus des Nexus de PR. Voilà, tu n'as plus de PR. Ah, c'est pas tard. Ah non, non. Ah, pas du tout. J'ai l'impression que c'est GG. Il y a masse Zergling. Il y a environ 1000 Zergling dans la base. Je pensais que c'était tapé. Eh bien, je vais dire GG, avec. Ah bon? En mode full rage. Ah bon? Encore une fois? Je vais full rage. GG les mecs. C'est ça qu'on veut. Je full rage. Gros teamplay dans mon équipe. Je pense que ça se verra dans les scores. Ah, je pense aussi. Hein. Si ça charge un jour. Bon, t'es premier de la game pour l'instant. Ah bah j'imagine bien. T'as quoi comme unité? J'ai B4. Cafard. J'ai cafard. Cafard B4. Qu'est-ce que tu dis? Cafard. Ça va quoi, normalement ouais, du cafard. Je devrais pouvoir m'en sortir quoi. Cool, moi j'ai des Sentry, je suis 3ème quoi. Logique. Ah, Sentry, grosse unit. Oh là là. Sentry, grosse unit. Sentry. Donc les 3 personnes dans mon équipe sont dernières. D'accord, est-ce que tout le monde a quitté? Est-ce qu'on a gagné ou est-ce que... Non. Je sais pas. On n'a pas encore gagné. Je sais pas. On va gagner, on va bien soon gagner. Soon. Faudrait que quelqu'un quitte. Bah que les gens quittent, qui n'est pas encore quitté. Oh là, il y a beaucoup de maraudeurs tout de même. Il y a un mec qui a mis comment tu peux perdre avec Mass Sentry contre Zerg. Hein? Il y a un mec qui m'a mis ça. Pourquoi il a dit ça? Est-ce qu'on lui dit qu'il y avait des Battle Cruiser? Est-ce qu'on lui dit ou pas? Non, Mass Sentry contre Zerg? What? Il a mis comment tu peux perdre avec Mass Sentry contre Zerg? Je pense qu'il voulait dire Zergling. Auquel cas il a raison. Oui, mais enfin il faut quand même être fort niveau macro quoi. Niveau micro. GG. Non, GG, belle game. 3-0. Belle game. Mais regarde, tu vois, c'est 3-1 là. C'est 3-1 sur mon écran là. C'est mon équipe. Ben ça c'est... Et regarde, attends, parce que ça va être encore mieux sur mon écran. Ah oui, ça va être encore pire. Ça va être encore mieux sur mon écran. Regarde, ah non. J'ai perdu une place sur ton écran. T'as perdu une place, je pensais que t'allais perdre 2 places. Alors sur mon écran, les 3-2 là. Et ça c'est le chat ZRT Lège. Oui, ouais, je sais. Et ouais. Tu vois, c'est tout. C'est... Les gens sont meilleurs sur mon chat. Ouais, mais je comprends bien. Alors vous avez envie de gagner, venez sur mon chat. Si vous avez envie de perdre et de vous ridiculiser dans ce Catascraft, allez sur le chat de Zerator, ZRT, Zerator. Non mais je suis content. Moi aussi je suis content. J'étais 3ème. Moi aussi je suis content. Ça prouve que c'était pas moi le tard. Ça va, je suis content. Je suis content. J'ai pas dit qu'il était le tard. J'ai dit que c'était pas moi. La revanche. La revanche. Comme tu veux. La revanche. Petite pause. J'ai envie en fait de faire quelque chose. Ouais. Et puis petite pause. D'accord. A tout de suite mes amis, à tout de suite. Alors, je n'ai complètement pas fini, donc on repart. A tout de suite. We'll be right back.
n'a pas fini, qu'il est un tarde. Moi je lis ce qu'il m'a dit de dire. L'écran est tout noir. Ça bug ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as froid ? Oui, je me caille les noix. Hein, voilà. Hein, de ce qu'on parlait tout à l'heure d'ailleurs. Je me caille les noix. Ouais, les noix. Comme les noix dirait, de coco. Ouais, comme dirait. Voilà, comme dirait. Voilà. Alors on avait dit quoi ? On avait dit revanche. Ou alors. Ah si, revanche, oui. On avait dit revanche. On va jouer sur Megaton. Megaton ? Qu'est-ce que c'est ça, Megaton ? Megaton, c'est ça. C'est ça. Ah, merci. Ça. Ça. Merci pour cet aperçu de carte. Le mapper, vraiment merci. Merci beaucoup. Je crée ZRT Lege, ZRT Zerator. Donc, tu viens de nous rejoindre. Une nouvelle carte pour pas que je sache et tout, qu'est-ce qu'on va faire pour que tu aies une petite chance de gagner, c'est ça ? Mais rien à voir, c'est une mono-battle. Ah, toujours, d'accord. Très bien. Oui, c'est juste un autre terrain. Ok, très bien. Okay. Ouais. Bon, ouais, si tu la prends comme ça. Alors, dispo. Ouais, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on... Ok, tu resélectionnes tes gens avec un quiz ou tu... qu'est-ce que tu veux faire ? Non, on mettra ça en place la prochaine fois. J'essaierai de trouver un truc plutôt sympa, mais là non. Ok. Là non. Le Facebook, LegeLol, L-E-G-E-L-O-L, Zerator, Z-E-R-A-T-O-R. Quoi ? T'es deg ? Je suis complètement deg. Je suis so deg. Je t'aide peut-être. Oh, maybe not. Alors, quelques questions sur IRC. Maybe not. Les Beatles qui me parlent, Kristen de Suède est née le 18 décembre 1626 à Stockholm, morte le 19 avril 1689. Alors soit cette personne est professeur d'histoire, soit il a copié-collé le Wikipédia. Je pencherai pour professeur d'histoire. Voilà. T'en es où de ton téléchargement ? Ah oui, bah oui. Ah bah c'est bon. T'es dans le lobby mais pas moi, d'accord. Donc très bien. Excellent. Excellent. Parfait. Eh bien je vais attendre un peu. Moi j'aime bien ces questions, plutôt ketchup ou mayonnaise. Alors on va répondre tout de suite, hein. On va mettre ça clairement. Ouais. On est mayonnaise. Ah, pas moi. Si. Après ça dépend dans quoi. Non mais si. Non mais c'est vrai parce que moi, j'ai mangé des petites patates hier soir. J'ai fait des petites. Une petite rissolée, voilà. Ouais. C'était très bon. Ouais. Ça on est d'accord, machin. Du ketchup avec du ça. Du ketchup. Mais alors, ah, oui, vos patates sautées là. Pourquoi vous mettez du ketchup avec ça? Parce que j'ai vu Irak faire ça. Est-ce que c'est par rapport à League of Legends ou c'est juste que vous trouvez ça vraiment bon et vous faites genre... Des frites avec du ketchup enfin c'est parce que c'est une pomme de terre, hein. Oui. À la base c'est comme de la frite. Hein. Bon j'ai un problème de jeu décoréco. Hein. Tu décores je monte ton écran avec IRC, c'est parfait. C'est parfait, bah, donc du coup on va vous regarder les gens sur IRC. Moutarde, ça dit Abart. Ah ouais, pourquoi pas moutarde. Moutarde, ouais. Moutarde dans certaines choses aussi, langue de bœuf par exemple, langue de porc. Langue dans de... le lapin. À la moutarde, du même nom. Voilà. Que tu fais très bien. Que je fais très bien. Voilà. Ça c'est vraiment énorme. Frites c'est... avec de la mayo. Si je devais te résumer en un plat, je dirais lapin à la moutarde. Voilà. Je recrée Megaton. Quelle est votre sauce préférée ? On va mettre un sondage. Tu quittais ton lobby. Non, on va pas faire ça. Mais moi je peux le faire. Moi j'ai les accès, etc. Moi je non, vais... j'ai fait nimp. Eh ben, bah, on va faire le mets sondage. Moi, host. Attends, mets-moi host et tu fais ton sondage. Mets-moi host et tu fais ton sondage. Alors okay. Attends, what? Comment on fait? Clic droit, mettre host. Non, ça, j'étais protos, je suis deg. Allez à toi. On va voir, très bien. Alors je vais mettre. J'invite des gens pendant ce temps-là, spammer les channels. Ah, comment? Spammer les channels, ZRT Lège, ZRT. Est-ce que tu peux me donner l'URL que tu as là d'ouverte? Ouais, comment tu veux que je fasse ça? Sur IRC, s'il te plaît. Ouais, bonne idée. Est-ce que je choisis des gens au hasard dans ton chan? Non, je veux le faire. Je vais le faire tout de même, puisqu'il okay. Faut pas déconner. Alors moi j'ai Milandor, El Grabal et IMS Apo. Alors, boum, allez-y, ça spam, hop. Hard, apparemment, c'est son pseudo. Pardon ? Shashka, apparemment, c'est aussi son pseudo. Ok, Hard, Shashka. Et Re-Hard. C'est marrant, ça. Enfin, H deux fois. C'est vrai que c'est marrant. Rash.
Rache. 49 personnes dans le ZRT Lège. Combien dans, ouais. combien dans le 41. Chat bah, les gens ne relèvent pas le défi, quoi. Ils préfèrent c'est, gagner, c'est ils ça. Choisissent la facilité. C'est ça. Ils vont dans ton chat. Je trouve que c'est un petit peu... Décevant. Ouais. Décevant de la part de mon audience, je suis déçu. Alors prenez tous aléatoires, s'il vous plaît. Milandor, tu vas te mettre aléatoire. Et les trois qui arrivent, c'est-à-dire Rash, Hard et Sashka, vous allez vous mettre aléatoire également. Et ne vous inquiétez pas, je suis en train de faire le sondage. Il y a quelqu'un qui demande si j'ai fait moi-même mes mitaines SC2, et c'est Hard d'ailleurs. Alors oui, bien sûr. Et je les vends à 400€. Please. 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 Est-ce que vous pouvez essayer de faire une game avec un à la souris, un au clavier? Please. C'est vraiment chaud. Ouais, c'est on pourrait essayer. Sur CS, c'était pas mal à faire ça. Ouais, c'est vrai. Dans les mais FPS, c'est plus simple. Sur les RTS, les mecs. Enfin, vous voyez déjà qu'on est deux tardes, alors si on n'a pas. Après, ça peut être très pratique. Si on n'a pas le full contenu. Pour genre un qui gère la mini carte uniquement avec les flèches, enfin la carte avec les flèches pendant une bataille, et l'autre qui fait. Genre, il te fait comme ça. Tu mets. Regarde. Attends. Attends. Que je te montre. Tu mets un mec sur les flèches et avec le A-click également. Genre, il fait tac 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 tac. Tu vois, il se fait comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu te mets ouais, sur la bataille, hop. Ah. 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 Ça peut être Imba. Bon, on verra un autre jour. On verra pas. Toujours. On non. pourrait faire tes matchs de placement comme ça. T'es classé au fait ou pas? Non. 1v1. T'as été classé un jour? Bah oui, durant les deux mois de SC2, les deux premiers mois. Ah. Diamant, top diamant, etc. Quand il n'y avait que diamant. Ligue actuelle, nul. Merci, c'est très, très sympathique. C'est pas moi qui le dis, c'est le jeu. C'est... Voilà. C'est très sympathique. Obtenu une fois, comme tu vois. Et puis ah, après, t'as quand même été en équipe. Trois fois, parce qu'en fait, je veux après je suis revenu aller avec dans... Nex. Il faut aller dans carrière. Et avec Chong. Voilà. Nex et Chong. Okay. Alors, je faisais du 2v2. Historique des parties. Donc peu. 2002. Il y a 25 semaines, t'as fait du 2v2. Ouais, j'avais dû faire du 2v2. Donc c'était il y a 6 mois. Plus. Sachant qu'une semaine comporte 52. Une année comporte 52 oui, semaines. Oui, oui, d'accord. Donc okay. Je dirais 6 mois, au bas mot. Ok. Bah c'est parti. Et tu avais fait une mono battle, perdue, il y a 6 mois. Ah mais ça c'était avec Nex. D'accord. C'était avec Nex et j'avais dit non, on ne refera plus non. jamais ce match. Et c'est toi qui m'as proposé de faire ça. Parce que j'étais tombé sur de la merde. Et t'avais eu genre Medivac. Non, Nex avait eu Medivac. Et... Please. Enfin, voilà. Et t'avais eu prisme de transfert. Genre carrière ou un truc comme ça. J'étais là, mais non, je suis désolé, on fait pas ça quoi. Complètement nul. Bah, c'est pas complètement nul, mais long. Long, quand t'as en face double links et cafard, excuse-moi. Vraiment, pas possible. Bon, on lance la game ou quoi? Ah bah, tout le monde est random là, ça va l'air d'être bon. Tu m'as bien mis dans l'équipe adverse, etc. Ouais, je crois. Avec mes gens. Ouais, c'est bon. Arch, machin. C'est, ah, bon. C'est bon, t'es avec tes gens. Je préfère. Tu es avec tes gens. Alors, qu'est-ce que t'es en train de faire? Déjà, je m'en rappelle plus. Un sondage. T'es en train de faire le sondage. Sur les sauces. Sur les Alors, j'espère que je vais pas en oublier une. Alors, mais, ok. Harissa. Harissa. Alors, marocaine, algérienne, cocktail, moutarde, salsa, ketchup, mayonnaise. Tu peux mettre Dallas. Sauce Dallas. Non. Mais américaine. Tu sais, c'est mayo ketchup. C'est sauce cocktail. Ah, c'est ça, cocktail? Dans quel monde, cocktail, c'est mayo ketchup? Un petit cocktail. Un petit cocktail. Ouais. Je mets, donc non. Voilà, samouraï. Elle... Ah, samouraï, mais elle est pas bonne. Mais bon. Elle est pas bonne, c'est toi qui dis. Oui, non, mais oui. Béarnaise. Ah, oh, commun. La béarnaise. Blanche. La tartare. Blanche. La sauce blanche. Blanche. Non, mais il y en a beaucoup trop, en fait. Non, mais voilà, je pense qu'on est bien là. Bon, y en a, franchement, il y en a plus, je pense. Non, mais genre, tu vas dans un kebab, il y a 10 sauces. T'as ces 10 sauces. Allez, c'est parti. 5 minutes pour le sondage. 10 minutes. 10 minutes pendant la game. Pendant la game, 10 le, minutes. Alors, le sondage, il est où? Il est juste en dessous du lecteur. Il est là. Ouais. Plutôt là même. Sur medium.org, hein, pas sur Dailymotion. Si vous êtes sur Dailymotion, vous ne pourrez pas voter. Voilà. Et puis, sondage assez important. Donc, s'il vous plaît, allez-y. Allez oui. voter. Comme par ça, pitié. Ça nous oui, donnera une bonne opinion de tout ça. Alors, ne donne pas de résultats. Ouais, souvent, vraiment, j'ai remarqué, même pas le début là. J'ai remarqué que tu influences souvent les gens en donnant des bien résultats sûr. Au départ. Non, mais n'influence pas. J'aimerais vraiment voir. Parce qu'il y a quand même, tu vois, ça, qui est quand même hyper étonnant pour ah un ouais sondage. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu vois, moi j'aurais voté ça. Ah moi, ouais moi, c'est ma sauce préférée, ça. Moi, j'aurais, je sais pas ce que j'aurais voté. Toi, je pense que j'aurais voté quoi, toi? Toi, t'aurais voté Béarnaise. Non, j'aurais pas voté Béarnaise. Alors, random. Alors, oula, très bonne combo pour l'instant chez nous. Nous avons Hydra, Maraudeur, Tracker, Phoenix. Putain, j'ai Phoenix.
Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, la gamme, la gamme est partie. Putain, la gamme c'est est parti. Oh non. Quoi? Oh ben non. T'as quoi? T'as quoi? Vous n'avez pas assez de minerais. Bon alors les mecs, ça va être assez simple. Leja Queen. Ça va être assez simple. Donc on va regarder ton écran. Parce que moi j'ai Phoenix quoi. Queen Phoenix, merci pour ce stream les mecs. Voilà, c'est très intéressant. Je vais vous feed. Voilà, je vais vous feed, je vais poser des bases et je vais me rester avec 500 rails. Alors tu sais ce qui est pas mal avec Mask Queen? Bon, je suis ennemi, je devrais pas te le dire, mais Canal de Nidus Mask Queen. Ça c'est très bon. Je n'ai jamais fait de Canal de Nidus de ma vie. C'est vrai? Ouais. Et tu peux faire un Canal de Nidus. Je peux le faire, effectivement. Je peux le faire. Effectivement. Comme dirait j'ai plutôt aller regarder le résultat du sondage. 358 votes pour le moment. Oh la vache, j'étais sur ton écran, Lège. J'espère que personne n'a vu. 358 votes pour le moment. Et J'espère que... Mais je pense qu'on n'a pas eu le temps de voir. Je pense que vous c'est... Pas non, on n'a pas eu le temps. Minerai. Honnêtement, c'est bon. Je vais rester sur mon écran. Vu. Vu, ça a été vu, lol, fail. Non mais je sais qu'on a vu. Oui, non mais oui, non mais les résultats, ça, les mecs. Ah j'ai vu. Ah si si. Si. J'ai vu la page web. J'ai tout noté. J'ai screen et maintenant tout le monde va être influencé. Votre stream, alors votre stream, il en est où maintenant? Vous allez faire quoi? Oh hein. Improvisation maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Eh ouais. Vous n'avez pas assez de minerai. Ah. Bon, il y a un mec qui a mis spoil Bernays Win. Alors en fait même pas. Je ne sais pas. Vous n'avez pas assez de minerai. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. Merde. Non, je ne sais pas. On va pas vous influencer. Putain, ma sauce elle a 3,22%. Ça j'influence pas. Non, on est d'accord. C'est vrai, t'influences pas. Et ta sauce elle est à 3,2. Ah, moi je pense que j'aurais voté la dernière vous n'avez en pas fait. Assez de minerai. Ah bon? Ouais. Vous n'avez pas juste assez comme ça. De minerai. Bah parce qu'en fait sinon... T'aurais voté mayonnaise? Non. Sinon j'aurais voté la 1 ou la 2 quoi. Alors je suis supply block... Non, j'aurais voté la 1. Si je crois que la 1 c'est... T'en montres? J'aurais voté la 2. Ah ouais, ouais? Ah voté t'es la... plus... Ouais je suis plus ouais. Ah ouais? Ah ouais. Oh d'accord. Non, tu pensais pas que quelqu'un comme moi pouvait être... Non, je pensais que t'étais plus la 2 justement. Ah ouais? Non là. Ah oui. D'accord. La vraie. Ouais. Mais pourquoi la vraie? Non. Bah si la vraie. Ok. Je sais pas, mais après je suis open hein. Ah ouais? Ouais. Comme Emmanuel. Je suis open, ouais. Oui. Ouais, non. Peut-être. Mais si, en fait, si en plus. Je suis aussi open comme Emmanuel. Non mais. Comment ça? Bref. Avec la mayonnaise? Ouais, non, pas du tout. Avec la. Ah, oui, ça... parce que oui, voilà, oui. C'est vrai. Bon, allez. La mayonnaise qui n'est pas ma sauce du tout en plus. Non, mais parce que j'ai dit juste mayonnaise depuis le début. Oh allez, les mecs me trollent. Quand ta sauce perd en pourcentage? Oui. C'est vrai? Je suis à 3,19. Ah, oh, c'est dur. J'ai ma deuxième sauce qui est à 0,8. Ma deuxième. J'ai ma B2 là qui est complètement. Non, mais super les mecs. Complètement en place. Donc ça, je suis pas très content. Hein. C'est fou comme quand on rush une unité, on peut l'avoir rapidement. Ça me. C'est pas faux ça. Ça me laisse rêver. Alors les mecs, je vous donne du gaz, genre beaucoup. Vous n'avez pas. Et oui, il faut aller là où vous avez pingé. Là. Bon, je montre ton écran. Là ça me paraît pas mal. Là. Montre ton écran pour voir où t'en es. J'en suis au même point que dans 20 minutes quoi. Les queens quoi. Non, je veux même pas trouver les queens pour le moment quoi, parce que ça sert à pas. Vous n'en avez pas assez du minerai. Vous n'avez pas assez de minerai. Mais pas assez de minerais. Ouais, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, ça. Pas assez de minerais, c'est toi qui le dis, ça. Non, mais alors, pour faire l'ordre de la raison, encore une fois. Vous n'avez pas assez de minerais. Le mec. Oui, exécuteur. On va perdre, en fait. Ah non, pas sûr. Vous n'avez pas assez de minerais. Pourquoi personne ne rush une unité? Le late game, là. Oh là là, là là là. Allez ici, là. Les amis. Enfin, les amis. Je ne connais pas personnellement, les amis. Vous n'avez pas assez de minerais. On se connaît pas très bien encore, tous les deux, mais... Oh, je vais faire un truc de PGM. Attention, si c'est pour nuire au déroulement de ma game. Non. Très bien. En fait, vas-y. J'étais supply block. Donc j'ai kill une de mes sons parce que j'étais à 1 pour en faire un phoenix. C'est beaucoup trop. Mais alors, beaucoup trop PGM. C'est pas faux. Voilà.
Alors Milan d'or, tu as un problème, tu as des sondes collées à des stalkers. Enfin, il les a enlevés, c'est bon. C'est bon, plus de problème. On a un problème de B2. Ah, il y a des Void Ray en face, d'accord. Oh, ok, bah contre Phoenix, normalement ça devrait aller. Donc je vais contre lui, je vais faire des Phoenix. Voilà. Voilà comment je vais faire. Bien joué, bien joué, bien joué. PJ, PJ, non, hallucinant. Merci beaucoup. Heureusement que t'es là. Hop là. Vous n'avez pas assez de minerai. On n'en avait pas assez du minerai. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, je donne du gaz un peu à tout le monde là. Dites, demandez-moi du gaz. Hein. Demandez-moi. Bon, vous voyez, je suis sur B5 maintenant déjà. Oh là là, je suis un pro quoi. Oh là oh là oh là, doucement, doucement. Doucement les enfants. Se calme. Vous n'avez pas assez de alors, minerai. Zerator est avec des phénix. Si je réfléchis 30 secondes, ça veut dire que la gauche en moi. Alors que t'as des unités anti-aériennes. Oui. Tu réfléchis bien, les gars. Oui. En fait, vous avez tous des unités anti-air qui viennent réaliser. Donc ça fait plaisir. Vous pouvez tous tirer en l'air, c'est déjà une bonne base. Une grosse game de Zerator. Bonne base. Après déjà la première qui avait été vraiment pas mal. Ok, stalker. Oui, parce qu'en fait, il y avait des stalkers à côté de mes phénix et ils n'ont pas du tout réagi. Alors que j'étais en train de taper les voidrets de ton pote. Zerator, pourquoi viens de faire ça? Je sais pas, mec, regarde tes queens et tout là. Les stalkers, attention! Alors là, va falloir faire gaffe. Va falloir faire gaffe. No joke, no joke. No joke, faites gaffe. Vos alliés livrent bataille. Alors, moi je parle à mes alliés en même temps. Ah bien sûr, moi aussi. Et par l'intermittence de du réseau. Là, c'est la merde. Pas mal, The Phoenix là. C'est une bonne unité. Ça existe en vrai jeu, quoi. Apparemment, oui, oui, oui. J'aime beaucoup. C'est une unité assez forte. Je suis assez fan. Voilà. Alors là, je vais leave. Leave fast. Leave. Je leave. Et je go ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à cette personne? Alors, j'ai l'impression qu'il y a des personnes. L'impression. J'ai comme la légère impression. Ils sont en train d'attaquer les ennemis. On nous attaque! Phoenix, c'est horrible en fait. Oh là là là, oh là là, venez sur moi les amis. Oui, je vous aime. Oui, oui, viendez donc. Ok, d'accord. Vos alliés livrent bataille. Hop. On va faire comme ça. D'accord, donc. Ok, c'est comme ça. Non, c'est bon. J'ai plus d'énergie. Ah bah voilà. Bah, casse-toi. Eh ben, casse-toi. C'était chez moi, donc. Oh, go! Ils sont passés! Ah, je suis sur Playblock! Ils sont passés! Ah vache! Là, ça commence à être un petit peu difficile. À partir d'un moment. Hein, ça se passe assez bien pour nous. Pour l'instant. C'est-à-dire que toutes les échos sont morts. Toutes les échos, non. Non, pas toutes, c'est vrai. Et puis toutes les échos, il y en a. Et puis il y en a avec lui seul, après tout. Alors ça attaque ici, ok. On va faire ça, on va faire ça. Ok, ok. On va faire ça, pop, pop, pop. Ok. Là je donne la vision. Ok. Allez, ça vient là. Ouais, c'est pas, vous êtes pas top. Vous êtes pas tip top. Ah ouais, je suis complètement dans mes soignés. Ah, y'a un mec qui a rage quit. Ah ouais, complètement quoi. Genre Chashka quoi. Genre beaucoup trop vénère. Ça va ouais. Ah ça va, mais alors. Mais on est bien dans la gueule là non? Là vous êtes pas mal. Vous êtes pas trop mal. Je fais un truc assez marrant actuellement. C'est que je me fais focus, une reine. Ah tu vas full heal. Ouais bon alors là c'est tout. Voilà. Ah bon, ça va pas random Yannick Kili. C'est à dire que c'est pas parce que tu as perdu Moroder Stalker OP. Alors je suis d'accord hein. Avec Hydralisk derrière et Phoenix. C'est vrai. Ça veut dire qu'à la game d'avion vous aviez Reaper, Zergling, Cafard. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Voilà, je veux dire. Bon. La belle. La belle.
label sur des jeux chiffrés. Label. Parfait. Moi, je pense que c'était les mecs, en fait, de ZRT Zerator qui sont venus sur mon channel. Ah ouais, tu crois? Ouais. Je crois qu'il y a eu un complot. Ouais, c'est pour ça. Genre, des fans de toi et tout, ils se sont dit, ah non, ils se sont dit, faut le défendre, allons feed. Oui, allons feed, exactement. Du coup, on va faire ça comme ça. Le sondage est terminé et ouais. Ma sauce a perdu là. Alors attends, très déçu. Donc parle-nous du sondage. Est-ce que tu peux publier les résultats ou pas? Bien sûr. En même temps que tu les commentes. J'ai bien fait ça. Eh bien, 646 votes ont été collectés, mes chers amis. Deux choix. Deux sauces sont sorties du lot. Ouais. 168 votes pour la première position, 135 pour la deuxième, 4 votes pour la dernière sauce qui était ma deuxième sauce, hein, je vous le rappelle. Salsa ? Non, ça c'était ta sauce ? Non, mais c'est parce qu'elle avait 0 vote au début. Ah, salsa est à 7 sauces. Et à 7 salsa est à 7 sauces. À 7 votes. Je l'insère dans un panneau et juste en dessous, vous allez voir les résultats pour quelle sauce préférez-vous, les amis ? C'est la sauce samouraï, celle que j'avais dit qui n'était pas bonne. Donc c'est pour ça en fait que je pense que les mecs m'ont trollé. À propos de la sauce samouraï, qui est, j'avais dit, ouais, elle est pas bonne. Et donc mayonnaise 135. Moi j'étais plutôt ketchup. Toi t'étais plutôt ketchup. 12% des votes pour ketchup. Bon. Ma sauce, c'est laquelle ? C'est algérienne. Voilà, 2,94% des votes. Et la deuxième, bah, c'est marocaine. Donc on est bien, les mecs, hein, riche de Maghreb. Bon, après, on a mis béarnaise. Mais, ah, béarnaise, c'est bon. Bon, elle est pas vraiment dans les sandwichs, quoi. La sauce béarnaise dans les sandwichs. C'est rare. Est-ce qu'on a dit dans les sandwichs ? Bah, sinon. Sinon, on aurait dû mettre toutes les autres sauces. Les sauces des plats, quoi. Là, on a plutôt fait sauce des sandwichs. Mais non, mais la dernière, c'est comment les sandwichs, par exemple, un sandwich avec des frites. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais c'est pas. Tu vas en Belgique, dans chaque baraque à frites, t'as la sauce béarnaise, hein, bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Et tu vas dans le Béarn, mon gars ? Tu vas voir. Tu as galéré, à mon avis, dans le Béarn. J'ai dû galérer dans le Béarn, moi ? Ouais, t'as Non, le Béarn. Moi, je sais pas. T'as bien le mec. Pardon ? Le profil d'un Béarnais. Ah non, non. Ouais. Champ de minerais épuisé. Ouais. Non, non. Bref, on retourne sur le sondage. Harissa, 32 votes, moins de 5% des résultats. Donc pourquoi ? Ah, il lit pas parce qu'il a une gold et qui s'est dit, avec cette gold, je peux peut-être gagner. Il y a une gold, mais c'est des sondes sur une base verte. Ça ne fonctionnera pas, je suis d'accord. Voilà, bon, je suis déçu, que ce soit pour la game ou que ce soit pour les sondes. Donc, Can you leave, please? On avait dit patate sautée. On a rien dit du tout. Quoi ? Non, on n'a pas dit. Ah non, on a dit. On a rien dit du tout. On a dit quelle sauce préférez-vous ? Par contre, ce qu'on a dit à propos des patates sautées. Oui, c'est que c'était bon. C'est que lait, je mettais du ketchup dedans. Et de la mayo aussi. Et de la mayo. Donc sauce cocktail. Sauce. Mais pas ensemble, je les mélange pas. En Belgique, on mange de la sauce andalouse, pas béarnaise, on te dit. Oui, tu manges la sauce andalouse aussi, mais c'est comme la sauce samouraï, ça n'a pas de. C'est vrai ? Non, je pense pas. Mais ma copine aime beaucoup son. Bon, après, d'accord. Elle est en Belgique, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être un rapport. Et là, niveau classement, ça va pas du tout. 1-1-1-1-2. Hein. Bon, j'ai quitté très tard. Ouais, c'est pour premier de ma team avec Full Rain. Pas compris trop. Bah, alors que tu en avais 2, 3. T'en avais combien ? Non, ça doit être, à mon avis, niveau production. T'avais peu de Rain. Hein. Ouais, j'ai peu de Rain en fait. J'étais là, mais what the fuck. Bon, on est reparti, encore 40 minutes d'émission, mon cher Zerator. Ah, c'est vrai seulement. On va faire un petit Star Tracker un moment, mais on va surtout retourner peut-être dans le ladder pour essayer d'aller en première position. Le Star Tracker pour conclure, je pense. Oui, le Star Tracker pour conclure. Tiens, j'ai essayé. Non, raté. Ah, raté. Toi, dommage. Est-ce que si je fais ça, non ? Si t'appuies sur mon doigt, peut-être. Ah non. caps lock. Donc, on revient dans très très soon de temps. Ouais. C'est parti. Ouais, c'est parti, à tout, donc on fait du 2v2, on repart en 2v2. Pour que ça marche. We'll be right back.
de V2. On est top 2. On est top 1. Ah mais ouais. T'as mis le son pendant là, ouais. Ouais. On est bien. Bonjour. Ça arrive très près. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je me mets dans le... T'invite. Oui. Et que... De retour. Ouais, tu disais. Lisez les queries, je disais. Lisez les queries. Ouais, c'était un petit peu ce truc que je voulais dire. Ah, je sais pas. Est-ce que nous serons à la PGW tous les deux, nous demande Gigapop. Alors, moi oui. Moi, ai-je pas sûr. Moi pas sûr. Pour l'instant non, de ce que j'ai compris. Ouais, ouais, bah oui. Mais peut-être que si. Peut-être que si. Peut-être que non. Peut-être que si. Cratère c'est... en fusion. Ah, une map intéressante. Ah bon? Bah oui, d'accord. Parce que je savais pas quoi dire d'autre. D'accord. Une map okay. Rouge, tu veux que je dise une map rouge? Sinon, vous lisez le chat. Alors, map non. Salsa. Oh, je suis Terran. Je suis Protoss, Canon Rush. Non. Si. Tu vas pas Canon Rush? Ouais. Non. Non, mais par contre, Terran, tu peux lier le merdi et tout là. Vas-y, go là, on fait un truc. Tu go, veux go, pas go, 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 tu veux go, faire go. Quoi, tu veux quoi? Je sais pas, on va lever. Non, tu sais ce que tu vas faire? Des stalkers sur 4 gates, comme ça on win. C'est trop facile, Protoss, c'est la race la plus simple. Il suffit de faire 4 gates et tu mais gagnes. Mais moi j'ai envie de faire. Un gate, là je suis parti. Le pro... Non, tu vas pas proxy gate. Non, le probe il fait quoi du coup? Mais le probe il va scouter du coup, très bien. Très intéressant, fais ton pilote. Je peux pas construire ici. Yeah. Pilon, il avait rien demandé. Pilon, voilà, je veux dire, il était safe. Je vais Rax 13. Je pars là-dessus. Rax 13, ouais. D'accord. Et tu fais quoi donc, du coup sinon... Du coup, rien. Rien. Non, okay, du coup, je sais pas. Du coup, on ne fait rien. Alors, ça n'a toujours pas posé quoi que ce soit du côté du Zerg. Ah. Ça, ok. Est-ce qu'il a B2? Non. Apparemment, pas encore. Donc, on pourrait peut-être partir sur un. Sur un go. Sur un go. Sur un go relativement rapide. Ouais, sur un go relativement rapide. Tu veux que je fasse des maraudeurs? Oui. Maraudeur. Fais du maraudeur, stalker. Maraudeur. Enfin, du coup, c'est moi qui fais. Qu'est-ce qu'il a fait le copain là? Le violet. La violet? La violet. Une gate, parce que c'est un protose. Ouais. Alors, une gate ou un gate? Une gate. Parce que des gens disent un gate, et on dit un portail. Une gate, un portail. Donc, comment on fait alors? Oula, déjà l'extracteur et tout pour le Zerg. Oula, le bassin génétique est très très late. On peut dire une gate parce que ça veut dire porte. Donc le bassin génétique est très très late. Le bassin génétique est très très late. Et donc, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire moi personnellement. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de Zergling très tôt. True story. Nice. Trust me, I'm shootcaster. Ok. Ça veut dire que je vais B2 en fait. Voilà ce que ça veut dire. B2. Ça veut dire que je vais fast B2. Pourquoi moi aussi? Parce que nous ne craignons pas la mort. Parce que ça veut dire qu'il va faire full cafard, non? Ou alors qu'il va go sur. Ça veut dire qu'on sait pas. Ça veut dire qu'on sait pas, mais que. Muta sur B1? Muta sur B1. En mode lège, quoi. Ouais. Hein, il va faire un lège. Attention. Après, il va attaquer mon VCS, c'est ça? Non, même pas. Quel gros noob. Quel gros noob. Oh le noob. Donc, toi, tu fais quoi? Bah, des stalkers, tu viens de faire des stalkers. Ouais. Tu fais du stalker. Stalker. Ouais. Go stalker. Pas de B2, pas de reine. Non. Pourquoi pas de reine? Pas de reine. Pas de reine de son côté. Ah, ok, je croyais que tu parlais de toi. Mais en fait, t'es Protoss, donc ça n'a pas de sens. Oui, ça, on est d'accord. Voilà. Ça n'avait vraiment aucun sens. Je vais faire un bunker plutôt là. Plutôt faire ma mule. Et j'ai plutôt pas de supplé des pots. Complètement supply block. Alors la B2 qui a été enclenchée de la part du Zerg, plutôt bizarre hein, son de haut. Ouais. Bah si, extracteur d'abord. Non, je pense que c'est mutin hein, vraiment. Ou un noob. Non parce qu'on a rencontré des diamants. La reine est sortie. Il y a quelques lings. Non, il serait en double gaz et il aurait lancé déjà son T2 s'il faisait muta. C'est sûr. Mais oui, trust me, I'm famous. Trust me, I'm shotgasser. Okay. Ah! Okay. Nos alliés. Ouais. Et si je faisais une bioball de la mort? Ouais. T'étais pas parti sur autre chose? Ouais.
J'étais pas parti vraiment. J'étais pas encore parti. J'étais pas vraiment parti. Je suis un peu diesel en ce moment. Voilà quoi. Tac. Oh, je macro là, mais pour là là, c'est SimCity. Ouais. Les canalisations. Les canalisations, complètement. Je vais faire l'amélioration des tanks de. Non, non, non. Je peux pas faire ça. Si, si, allez. Bah alors décide-toi un petit peu. Je sais pas, j'ai pas envie de faire de charge, j'ai envie de faire bioball. Ah ouais, fais du bioball. Medivac et tout. Ouais, mais je viens de lancer les chars. J'ai pas lancé le starport. Non, ça c'est nul. Ouais, c'est pas grave, c'est un détail. Et ta B2. Donc, ça c'est B2, oui, oui, oui. Ça c'est bien. Ah non, mais je canalise là. Je fais les canalisations. D'accord. Donc c'est bon là, la B2 niveau canalisation, c'est pas. Je pense qu'on a perdu cette partie. Non. Lèche, je ne dis pas ça. Est-ce que ta macro en terrain est correcte? Oui. Mais c'est ma micro qui pose problème. Très bien. Poser les chars, tout ça. J'ai un gros problème. Alors là, je crois qu'une unité est passée. C'est oui, un Zergling. J'ai bien vu ça aussi. Hein. J'ai cru voir passer. Donc un là, il a de la chance. Hein. 3 PV, on peut le dire, c'est de la chance. C'est plus du skill. Hop, je l'ai tué avec un VCS, coup fatal. Donc ils ont tout vu. Hein. Donc nous, on ne sait rien, par contre. Bien sûr. Voilà. Comme standard. À chaque fois. Standard. C'est pas grave, on s'adapte. Bah ouais, on s'adapte. Je suis parti quand même sur un ops. Hein. Je suis en train de mouse click. Bon. Pas assez de gaz Vespen. On n'en est pas rien à foutre. Ah, et ben on a perdu. Pourquoi? Parce que. Alors comment dire? Parce que je n'ai pas wall. Ouais. Alors, première Attends, l'ops est en train de voir dans la base. Alors comment on va faire là? Alors moi j'ai 3 sentinelles, 2 zélotes. Alors t'as 3 sentinelles, 2 zélotes. Et t'as fait 4 gates. Donc lui il a 1, 2, 3, 4, 9 stalkers et 7 zélotes. Attends, mais je sors des unités après. Quelle est la faille dans ta stratégie? Alors ma faille dans la stratégie, y a pas forcément de faille. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Vas-y, continue. Continue. Non, non, là t'es mort hein, apparemment. Là, mais bien sûr. Là t'es mort de chez mort. Hein. Ah non, mais là c'est loose, mais complètement. Je suis un peu déçu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je cache pas ma déception. Bon, bah 1v2, j'ai un Ops qui est dans leur base. Ouais, ça c'est bon, j'avais entendu. C'est géré. C'est bon, j'ai pas de soucis. Cela dit, je prod. Hein. Tu prod? Complètement. Eh bah c'est bon alors. Eh bah c'est nickel. Là j'ai mon 6ème Marines. Il y a des balises. Des balises, exactement. Aïe Oh là là, j'ai capitulé. Dommage. Hein. T'as vu, je t'avais dit, on allait la perdre celle-là, c'était sûr et certain. La strat n'était pas. Mais je suis Terran. Non mais t'es Terran, mais commence pas à réfléchir ou quoi. On va dans la base adverse avec des casernes, avec des maraudeurs, ce que tu veux, mais on va dans la base adverse. Mais ils sont diamants là. Mais oui, mais parce qu'on est trop fort en ce moment. On va perdre 10 games d'affilée pour que le. Et on va passer Master. Allez, Rogo là, fast. Rogo fast. Rogo okay. Fast. Oh, mais pas de pause là. Ah, Rogo fast avec une pause. Non, pas de pause. No pause. No pause, je vais regarder l'IRC. Je vais regarder l'IRC. Ketchup ou mayonnaise, salamèche, carapuce ou bulle bizarre. Je vais lancer un sondage par rapport au Pokémon. Tu pourrais, hein. Franchement, tu pourrais. Je ne tente pas. Ça, la game est lancée. Nouveau sondage. Je fais d'abord le sondage, puis après tu poses. Hein, partie double non, zerg. Non. Double zerg, c'est oh, la merde. Non. Ah, Zeratul okay. Ouais, Zeratul, Zerator, lol. 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 Oh, je suis zerg. Ah, je suis zerg. 4 zerg sur la main. 6 poules. Go. Annule ton. Non. Annule. Non, 7 poules. 6 poules. Annule. 7 poules. Annule. 7 poules. Je te dis d'annuler. Espèce de con, il connaît rien au BO. Laisse-moi cette poule. Il a sorti son drone, on a perdu, merde. On va cette poule, je vais win la pourquoi game. Seven pool. Parce que c'est mieux que le six pool, je t'expliquerai. C'est pourri.
C'est pourri, c'est pas assez mythique, le Seven Pool existe même pas dans le monde des BO, enfin c'est nul. Nul. Eh bien, on va faire un 7 pool contre un 6 pool. Ah non, je veux pas le savoir. C'est pas... Non, je sais que c'est mieux, c'est pas le problème. C'est que c'est pas mythique, c'est tout. Parce que eux, ils vont 6 pool. Oui, c'est ça. Donc, mieux, c'est 7 pool. Non, ça change rien. Moi aussi, je serai à 7 drones. On aura le même nombre. C'est complètement débile. Oh là là, complètement débile. Faut faire quand même les unités après ou. Ouais. Non, mais je sais pas, parce que comme c'est, ça a l'air d'être tard le truc. Moi, je demande, hein. Je sais que c'est plus opti. Mais sauf si c'est nous qui attaquons. Au passage, on sait pas où ils sont, j'ai pas envoyé mon overlord. Bon, ah. Ils sont à droite, c'est bon, on sait. Putain, j'ai envoyé mon overlord. Ouais, énorme. Énorme. On sait où ils sont. Est-ce que je cancel ce. Non. Oui. Non. Oui. Non. Tu vas voir. Attends, laisse-moi faire là. Le mec, il va avoir 0 unit. Super. Ah, ouais, il va double extractor trick, génial. Il aura pas assez de minerais. Moi, mes zerglings sont lancés, ils sont créés, c'est bon. Il y en a 3 qui sortent. Ah. Toi, je sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas. Bon, c'est cool, du coup, j'ai 6 poules pour rien. Non, mais c'est bon, regarde. Moi je suis parfait aussi. Oh je les sauf ai... que là mes zerglings sortent. Oui bah je vais sortir en même temps que toi. Regarde sur la map où on est placé. Ouais je sais. Ah voilà enfin, regarde non, en fait je regarde. Sors avant. Eh tu sors peut-être avant. Non, ils ont B2. C'est gagné. C'est win. Alors maintenant tu lances un overlord. Ouais. Et après tu lances ta queen. Ah bon. Ouais dit, ça. C'est juste pour leur faire croire qu'on est full all-in alors que pas du tout. Alors qu'en fait on amasse une écho de ouf. Donc on part sur une game. Ouais queen ouais. D'accord. Queen, drone et là macro game c'est parti. D'accord, très bien. Est-ce que, de la tu merde, veux, est-ce que tu veux que je te filme mes unités et que tu micro tout avec? Contrôle mes unités. What? Faire ça, je pense que tu peux le faire tout seul. Ouais, mais c'est juste que avoir un groupe. Non. Ah, good job guys, il y a un gars qui a écrit. Ouais, good job guys. Thank you. Okay. Double random, win. Donc on a gagné, c'est ça? Attends, mais il va se retourner, voilà, il se retourne. Vas-y, bah ok, il se retourne s'il veut. On voilà. Est, il y a 12 lignes. Eh ben, retourne-toi, et ben, voilà, tape. Ah, mais il fait que. Mais qu'est-ce qu'il joue mal? T'as vu ce qu'il fait? Non mais là c'est pas, c'est lui là, qui a perdu, c'est pas nous qui avons gagné. Là c'était pas opti ce qu'il a fait. Là c'était, ah, c'était pas top top. Il aurait pu mieux gérer. Bon viens on va chez l'autre. Hein. Oui. Parce que lui aussi va se retourner comme un tard. Ah non lui mieux. Mieux. Lui ne fight pas. Fais ton injection avec ta queen. Oh attention les lings en priorito. Priorito. En priorito. Priorito. Mais t'inquiète l'aggro des lings est bien géré. Hop. Tu prod dans ta base. Oui bien sûr évidemment. Okay. Ça c'est géré. Les lings ils sont morts. Pas de problème avec cette affirmation. Je suis toujours sur leur leurs unités qui récoltent du minerai. Ouais. Ouh, les lings. Là, par contre, il va falloir essayer. Ah non, là, c'est bien. C'est complètement micro. Et il a complètement plus de gling maintenant. Lèche, c'est toi. Tu es où? Non, moi, c'est la merde. Ok. Toi aussi? Ouais, bon, il a plus d'écho quoi. Bah, y'en a un qui a plus d'écho, ça c'est sûr. Ah là, est-ce qu'ils vont nous attaquer là, à ton avis? Ça moi, je sais pas. Ça serait Boldier. Moi j'ai pas trop d'unités là. Ah bon? Moi j'ai des lings qui sortent. C'est vrai? Bah regarde. Ok. Oh, enfin, c'est... Moi je suis bien. Moi je fais des lings alors. Enfin j'ai des lings qui sortent. J'en ah ai d'accord, ils sont là. Mais limite le. Ouais bon, comme tu veux. Non, tu veux attaquer avec? Oui, repars. Je pars sur Roach, ok? Ok, ouais, tu peux faire un petit tempo genre Muta. Tu peux go Muta et moi je. Moi je def la game. Ouais, mais pour Muta, non, je les aurai trop tard. Ah, pas forcément, je le filme. Non, c'est bon. C'est bon, c'est géré. Alors, je viens de perdre le fight. Ouais, c'est pas grave, tant qu'ils arrivent, c'est pour nous. Hop. T'auras tes roches? Non, mais j'aurai des glings. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ils vont arriver chez nous, ils vont se dire c'est bon, ils ont plus d'unités. Alors qu'on a des unités. Et ça? On a complètement des unités. Et on a des reines. On a des reines, ils ont pas de reines. Ouais, c'est vrai. Ah, t'as des unités chez eux, intéressant. Ah, oui. Tu attaques des drones, intéressant. Bah, ouais. Et là, ils arrivent, et là, ils sont deg. Parce que là, on a masse unit en fait. Donc là, on attaque et on a gagné. Et là, merde. Là, je vais hack-click chez eux. Ah, et je puis, m'accro. Oui, j'ai l'amélioration qui arrive aussi. Ah, je hack-click chez eux et je m'accro. C'est intéressant comme jeu. Hein. J'ai limite envie de faire des banlings en fait, ou des roaches, mais en fait. Ouais, bah, fais ce que tu veux. Non, mais façon... non. Ce serait trop. Pas, ce serait pas sympa. C'est vrai que ça serait un petit peu bâtard, mais bon, ce serait pas très sympa. Est-ce que tu as du minerai? Non. Oui. On a masse Zergling qui arrive chez eux là. Là, masse, oui. Là, y'a masse. Là, y'a masse, en un mot. Là, et moi, j'ai bientôt l'amélioration qui va plus vite là. Ok. Bon, on a des drones. Tu vois que c'était bon, double six pool. Non, c'est vrai. Vas-y, tu peux attaquer, s'il te plaît? Parce que bon, disons que bon. Mets-toi un clic tard. Non, si, vas-y, tard à clic.
Mais c'est bon, il mettait tous ses drones non, avec. Mais je veux juste avoir l'amélioration avant d'attaquer. We got this, hein. L'amélioration avant d'attaquer. We got this, don't worry. Allez, l'amélioration, là. Je veux aller vite. Oui, je vais vite. Oui, je te trace. Oui. Oui, tes péons, ils vont mourir. Non, pas tous. Ah, attends, on a un second run by dans la B1, c'est ça? Ah, nickel. Nickel. Donc là, ils pensent qu'on est en mode full all-in Zergling. Alors que toi, c'est vrai. Ah, moi, c'est non. Vrai. Mais moi, pas du tout. Je suis en train de faire complètement mass drone. Oh, je suis même là. Sur double gaz, comme un gros tard. Et j'ai oublié de faire ma queen. Cool. Enfin, ma deuxième queen. Pas mal, pas mal. Ah, mais c'est la deuxième queen, je sais pas. C'est pas si énorme. Oh. Oh. Oh la queen. Oh, la queen. Oh, t'es pas très oh sympa. Les lings. Ah, c'est pas très sympa de ta oh, part. Oh la deuxième queen. Oh là. Oh oh non bah. Oh. Oh. Bon, j'ai perdu c'est mes c'est unités. C'est pas très sympa. J'ai perdu mes unités. Mais on a gagné. Mais masse damage. Mais en échange on gagne. Donc c'est plutôt bon. Bon, bah ça va. Y'a pire quoi. Alors, est-ce que je pète le caillou histoire de les troll un peu? Ouais, pète le caillou. Comme ça, quand je reviens avec mes masses roaches. Non, mais genre, arrive avec 20 roaches. T'arrives avec 20 roaches. Final countdown. Et moi, je tryhard et tout avec mes petites unités et tout. Eux, ils sont en mode full def avec leurs drones. C'est bon, on tient NP aux F. Oh non, ah, y'a ouais. Trop d'unités. Oh, non, mais, non, mais attends, ça c'est un problème. Hein. Ça c'est un problème? Ouais, back dans la base là. Back dans la base avec non. Toutes tes lignes. Si. Mobulette. Faut pas que tu perdes tout ça. Mobulette. Ah ouais, tu peux aussi faire ça. Mobulette. Tu peux aussi faire ça. Est-ce que tu pourrais me passer des overlords? Hein? Quoi? Comment ça? On peut? On peut depuis quand? Ça n'a pas de sens. Bon, j'ai pas mal de roach. Faites le caillou avec les autres glings qui arrivent. T'es toujours en train de le kite? Il est où avec ses glings là? Bah, c'est l'autre. Hein, c'est son... Ah ouais! Il y en a qu'un en fait! C'est Zeratul. Bah oui, l'autre est mort. L'autre est déçu. Il a fait des bad lings l'autre. Bah, c'est parfait parce que c'est un peu nul contre les roach. Un peu le counter. Un peu le counter des roach ou pas? Ou pas, j'ai envie de dire. J'ai de nouveau des larves. Oh, j'en avais plus. Oh, je lui fais perdre la tête. Ça se passe bien ou ça se passe bien? Oh, la reine qui descend en direct. Ah non, même pas. Bon, j'y vais. Tu vas? C'est ouais, parti. Je vais casser les cailloux. Ah, vas-y. Bah, moi, je suis à 20 pop. Bah, moi, je. Je suis à 104. Tu peux aller checker la Xelnaga ici, s'il te plaît? Ah non, j'ai. Si, t'as deux glings là-bas, là. Ah, y'a des banlings qui arrivent. Je sais pas si je vais tenir. Je devrais tenir. Oui, ça. Amène des glings avec moi là. Ouais, ça y a tout. Bonsoir. Salut, bonjour. Ah, merde. Bonsoir. Ah, plan B. Backup. Plante. Plan W. Plan W là. Ah, ils avaient pas la Xelnaga. Bon, d'accord. Bon, bah écoute, je vais passer des. Alors, je vais faire quelques glings quand même. Parce que j'ai un peu peur. Non, non, mais c'est bon. Qui run by ma base, ça me saoulerait un peu. Bah, c'est bien. C'est bien pour ouais, toi. Non, ça me saoule. Ah, ils arrivent dans la base. Bah, ils arrivent dans la base, justement. Oh, ça me saoule. Non mais vraiment c'est relou. C'est relou hein. Ouais c'est relou. Alors donc moi je vais... Là ils... Bon ils ont plus d'une tête quoi. Donc là ils sont en train de courir à travers le monde pour faire des bases. Donc tu peux aller scouter. Tu peux aller scouter tout ça. Voilà. 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 J'ai essayé de détruire tous ces bâtiments. Ah ils ont perdu. Ils ont réalisé pardon. Ah, mais voilà. Ah, c'est pas facile. Il est en train de faire 3 spinecrawlers pourtant. Nice. Est-ce que t'as vu que on est platine. Ouais. Trop bien. Sérieux. On est monté. T'as 23h33, c'est l'heure du platine quoi. 20h33. Mais c'est. C'est pas grave, c'est pas grave. Nickel. T'as... Et on est 3ème de notre. Division Hyperion, bravo. Bon, ça c'est. Voilà, ça c'est généré aléatoirement avec les mots de l'extension. Ça se veut rien dire. Et on est donc petite étoile platine. Ouais. On est 3ème. Bon, 3ème parce que la ligue vient d'être créée, c'est ça, j'imagine. Normalement, c'est ça. Ah non. Pourquoi on est dans les premiers, c'est stupide. Imagine ces pauvres gars là. Ah non, mais c'est. Pas, parce qu'on défonce des diamants depuis tout à l'heure. Eux ils font du 40. Ah non, putain. Je me dis, ils faisaient du 41. Tu vas être trop habitué à Warcraft. Ouais. Ok. Bah, ok. Je suis trop content. Ouais, on est sérieux. Eh, hey, t'as déjà été platine diamant? Platine étoile? Oui, oui, bah oui. Oui, bah oui. Est-ce que t'as déjà été master? Oui. Master... En équipe. En équipe en combien? Pas en solo. En 2-2, 3-3, 4-4. Non, peut-être pas en 2-2. En 2-2, c'est chaud, hein.
Non, pas en 3-3. J'ai été master en tout sauf 3-3. Même en... Parce que j'ai une côte cachée en 3-3 trop pourrie, donc j'ai jamais pu passer master. D'accord. Mais il n'y a pas de truc master en 3-3. Si, je crois. Et si, si, il y a master 2-2, 3-3, 4-4. Quoi, tu veux que je vérifie? Je comment je pourrais vérifier ça? Je ne sais pas. Il faudrait que je check un ami à moi. Genre lui, tiens. Non, pas lui. Pas lui non plus. Tiens, tu vois? Oh là là. Oui, donc master de V2. Bah non, mais ça, je suis d'accord. Ah, tu penses qu'il n'y a pas 3-3 et 4-4? Ouais, voilà. Bah si, si. Bah, je pense que tu mens. Mais non. Non, mais personne. Personne n'est master en 3-3. Mais si, plein de gens. Non, mais si. En plus, si. Bon, lui. Non, lui, il doit pas faire. Tiens, tu vois? Ah, master 4-4. C'est qui ce. C'est Tude. Nul. C'est Tude. C'est Tude master en 4-4, tu vois, par exemple. Ouais, la classe. Voilà. La classe. Et en RT. En RT. Ah, ouais, non, ça, c'est pas la classe. Bah si, c'est la classe. En RT, être master 4-4, c'est cool quand même. Sachant qu'en AT, tu peux tomber contre des RT, c'est donc c'est le AT qui est théoriquement plus facile. Ouais, ça c'est... Il a un bon PC à moi. Ça veut dire que tu tombes avec des tardes. Ouais, c'est ça que... je voulais pas le dire, mais... Tu vois ce que je veux dire? 8ème de sa division, bien. Et il joue pas random. Ah, clairement bien. Il y a un random quand même dans ça. Ouh, ça m'étonne pas beaucoup. Ah, et là on voit les victoires défaites. En master, on voit les victoires défaites. Donc bah, on va go master. Go master alors. Go master. Bon, on pète des diamants étoiles depuis tout à l'heure. Ouais. Star Striker. Un petit Star Striker, par contre, je voudrais aller prendre une petite pause de 1 minute. Ouais, bah de toute façon, c'est l'heure de la pause. Si c'est possible. Oui. Voilà. Et ensuite, Star Striker, venez sur ZRT Lege et ZRT Zerator. Ce sera la dernière chose hein, de ce soir, je pense. Je crois, il est 36, pas sûr, peut-être qu'on. Je sais pas. On verra. Non, on va faire une petite pause, 2 minutes. Voilà, histoire d'aller prendre un petit café, ouais. D'aller prendre de quoi boire, de quoi manger, parce que ouais. Ça fait depuis 18h qu'on est là, peut-être que vous avez votre ventre qui crie famine, les amis, donc allez direction frigo, ou appelez le McDo, je sais que ça livre. Appelez le McDo, ça livre? Ouais, ça livre en Inde. Ah bon? Oui, en Inde, oui, bah oui, tout le monde le sait, tout le monde a vu cette photo avec les scooters McDo, tout le monde. Ou alors, des gens vont en Inde. Ouais, mais tout le monde a, je pense, plus vu la photo des scooters McDo. Ah, d'accord, très bien. Eh bien, si vous avez été en Inde, dites-le sur IRC. On attend vos témoignages. Tout de suite, après, avec Zerator et Lege. A tout de suite. We'll be right back.
Et c'est reparti avec les Gézerator pour ce qui va être peut-être la dernière partie. Oui, sûrement la dernière partie avec un Star Striker. Yeah, le jeu de football sur StarCraft, vous le connaissez tous, bien sûr. Vous l'ai-je annulé la phase de préparation? Non. Non, j'ai pas fait ça exprès. C'est peut-être pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pourquoi j'ai eu... What the fuck? Effectivement. Mais tu sais ce que j'ai entendu ou pas? Ouais. Comment tu sais ce que j'ai entendu? Non, je mens. Ok. Je déle la map, c'est bon, on est parti. Petite mise au point à propos de Star Striker. Oui, je sais, on a entendu un son Skype en fait. Je t'explique. Ah, c'est le mien? Mais je n'ai pas lancé Skype. C'est moi. Alors que je n'ai entendu aucun son de ton PC jusqu'à maintenant. Mais là, j'ai entendu Skype. Mais bon, on sait que Skype, même quand on n'a pas internet, ça marche. Voilà, ça passe par des choses un petit peu bizarres. Sûrement, voilà, l'électricité. Ouais, sûrement ça. Donc c'est assez l'eau bizarre. Aussi. Moi, je n'ai pas lancé mon Skype personnellement. Donc. Ah mince. Donc ah, voilà. Alors. Ça ne peut pas. Oui, je prends la map. Je dél la map, je prends quelques. Alors donc, ceux qui veulent être avec moi, ZRT Zerator, ceux qui veulent être avec Lège, on est en train de créer la map. Et donc, allez, s'il vous plaît, les gars, il faut qu'on gagne un Star Striker, j'en ai marre. 2-0 pour moi. 2-0 pour Lège. Non. Alors, non, je voudrais non, déjà. 1-0. 1-0 ? 1-0. C'était Axe Ball l'autre. 1-0. Moi, j'aimerais des gens qui connaissent la touche X, C et V de leur clavier, si possible. Pour l'instant, je ne peux pas vous inviter, on n'est pas dans la game, mais... Mais ça va bientôt partir. Ça va bientôt partir. Alors, vous êtes combien sur ZRT Zerator? Vous êtes des millions, j'imagine. 31. 31, et nous sommes 26. Donc, allez-y, si vous voulez être avec moi, ZRT Lège, si vous voulez être avec Zerator, ZRT Zerator. Et on va faire une personne chacun de chaque chat. Ah, ça y est, c'est parti. Allez, on est parti. Alors. Boum. Je vais donc inviter pour ma part. Bon, on va faire d'abord les miens, ça va plus vite. Ah, bah moi j'ai suggéré direct. Okay, allez-y, bon, hein, attends, allez-y. J'invite d'abord les miens. Ils sont trois, ils sont trois actuellement. Hop. Un. Sam deux. Sagas. Allez, quoi? Boum, boum. Sam Sagas, je sais pas. Comment ça se fait que. Oui, c'est bon, Sam Sagas. Il a aussi floudé mon chat. Non, je suis sur ZRT Lège. Très bien. Et attends, mais c'est un truc de fou. Parce que tu sais ce qui s'est passé là? Non. J'ai fait clic droit sur ton chat, je suis tombé sur Sam Sagas, et au même moment tu m'as dit Sam Sagas, et je l'ai invité. C'est un truc de ouf. Alors, c'est pour lui aussi, ça sera bon pour KO. Donc toi, au revoir. Et puis pour Spartamus. Ah non. KO ah. Et Spartamus. Non, Douglas. Non, pas ordinateur. Douglas. Quoi. C'est pire en pire. Chaos et Douglas. Ok, donc ça c'est l'équipe de. Et Panactis. Et Panactis qui est là, again, j'ai envie de dire. Et il te faut une personne de plus? Panactis. Non, tu peux pas choisir. Quoi, t'as choisi? Non, trop pas. J'ai choisi en premier. Enfin, j'ai choisi, j'ai cliqué et c'était lui, mais ils étaient trois au début. T'as choisi, c'est ça? Mais regarde les mecs! Il y en a un sur deux! Et j'ai cliqué, c'est Panactis. Ok, bon, bah je sais pourquoi je vais perdre. Mais trop. Panactis, c'est un joueur de LOL! Non, mais il te carry à chaque fois! Alors regarde, moi, c'est pas la même chose qui se passe sur mon chat. Moi, il se. Alors les noobs, arrêtez de floude! Eh, comment? Je vous laisse 3-4 secondes. C'est des antillais, moi, sur mon chat. Ceux qui ont jamais joué, arrêtez de décrire disponible. Vive les antilles! Y'a un mec qui me dit qu'à Hexagone, il a fait 92 secondes. C'est bien. C'est correct. C'est bien. C'est correct. C'est vraiment bien. Alors, et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Quoi, je connais aucun pseudo là, ils vont être tous nuls. Ça me saoule d'avance. Qu'est-ce que. Bon, je vais lancer la game. Et je vais gagner. Allez. Non, s'il vous plaît, les gars. Je ne vais pas vous juger sans vous connaître. Ce n'est pas mon genre. J'attendrai de voir que vous êtes nuls pour vous insulter. Mais pour l'instant, on va dire que vous êtes tous forts, ok? Random? Bah, ça change rien. Non, ça. C'est une UMS, ça ne change rien. Parle-moi avec des vrais termes. C'est une use map settings, c'est-à-dire que c'est les déclencheurs qui te disent Zerg, terrain de Protoss, et tu choisis entre tes unités. Tu n'as pas besoin de choisir ta race. Quel que soit ce que tu choisis, ce sera la même chose. Non mais d'accord, mais après, il n'y a pas un bouton random? Ah non. Non? Ah, je dommage. Crois pas. Ah, c'est dommage. Non, on random pas, Star Striker, c'est du sérieux. Bah, bon, il y a un mec qui lag trop, je vais le kick. Moi, je préfère random parce que bon, c'est pas... Enfin voilà, on a pas trop de niveau. Quoi. Je le kick. Trop lent. ZRT Zerator, paf, clic droit, ce sera Snady. Hein, je crois que je connais Sneak. Ouais, sûrement, tu as choisi, hein.
Ouais, c'est un de tes potes, c'est okay. ça. On le renvoie. The Star on le renvoie, j'assume. Champion j'assume ta tricherie. C'est bon ? 1, 2, vas-y. 3. Non, tu vas marcher. 1, 2, 3. Voilà, Tombro. Donc je le connais pas par contre. Tombro. Tombro, je ne le connais pas. Donc Tefel, Tefel, Tombro, Shorty, Picou et en face Chaos, Lej, Samsagas, Douglas, Panactis. Panactis, quoi. Et il y avait 3 mecs sur mon chat. Et ben voilà, les mecs, vous voulez gagner avec moi, vous voulez jouer avec moi? Non, mais je suis deg. Sur mon chat. Non, mais je suis deg. Panactis, si vous voulez jouer avec moi. Bah ouais, ouais, c'est cool. On est parti, Saul? Dès que le mec aura chargé. D'accord, très bien. On attend alors le mec. S'il n'a pas chargé à 47, je le kick. D'accord. C'est parti. Ça lui a mis la pression et on dit 47 en plus. Nickel. Ok, très bien. Alors, bon, ce c'est soir, parti. Ce soir, les amis, si vous n'êtes pas au courant, de minuit à 2h, il y aura le Legendary. Legendary avec du gros niveau. Oui. Un groupe. Tu vas restreamer. Un artiste, oui, de minuit à 2h. C'est un truc de fou, quoi. C'est fou, hein. J'ai pas encore choisi mon jeu flash. J'ai pas mal de choix. Je pense que je vais vous faire un quiz parce que je suis très quiz là en ce moment. Ouais, je vois ça. Plutôt donc, 40 ou. Ou pommes de terre. Allez-y, votez, votez. Les sondages sont chauds. Les sondages sont là, c'est en dessous de la vidéo. Plutôt 40, plutôt pommes de terre. Allez-y. Allez-y. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'était une dague. Il n'y a pas de sondage oui, à propos oui, de ça. Par contre, pas je vais encore. Pas encore. Oui, pas encore. Non. Non. Il est en train de le faire. Mais carotte. Tu sais très bien que tout le monde a voté pomme de terre. Oh, malheureusement, c'est ce qui sert à faire les frites, quoi. Ouais. C'est pas baleine ce sondage. Ok, alors brocoli. Carotte ou brocoli? Ah, carotte ou brocoli. Faut un S, non, à brocoli, c'est pas un variable. J'y mettrai pas ma main à couper. Hein. Alors on va mettre un S à carotte. Ok, comme ça on est safe. Double pluriel. Safe, carotte, brocoli. Ah, par contre, t'aurais mis genre brocoli ou poireau, là, ça aurait été baleine. Non, attends, brocoli, c'est trop bon le brocoli. Une purée de brocoli. Ouais, non, mais moi j'aime ça, mais le problème c'est que brocoli ça a une mauvaise réputation, ouais, tu vois. C'est pas grave. Carotte ou brocoli, le sondage est juste en dessous de la vidéo. Okay. Et il y a un bouton random, mais c'est trop tard parce que déjà on choisit donc on va pas random. Mais pour la prochaine fois. Moi j'ai random. On pourra. Oh le viking, Imba. Ah, encore? T'as random donc je vais random aussi? Bien sûr. Parce que sinon on va me dire ouais. Bien sûr, bien sûr. Machin. Et j'ai eu. Imba. J'ai eu un arc. Correct, je dirais. Correct. Alors tu m'avais dit Imba quand j'avais joué l'arcon. Du coup moi qu'est-ce que j'ai comme sort? Explique-moi. J'en sais rien du tout. Oh, tu peux te mettre en forme volante pour aller beaucoup plus vite. Et tu peux pas rattraper la balle. C'est juste genre pour te déplacer. D'accord. C'est le seul truc que je sais. Super. Sinon je sais pas trop. On a une bonne équipe hein. Là honnêtement. D'un point de vue composition d'unité ça a l'air d'aller. Après je sais pas comment ça va se passer. Bon je vais attendre les 2-3 premiers buts avant de m'énerver. Mais j'y vais. N'y allez pas. L'arcon y va. C'est bon. J'y vais. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Je vais rester. Donc très là bien, j'ai fait mon pouvoir donc, et c'est parti en touche donc c'est un jeu de merde vraiment. Alors Tombro me fait la guerre. Hein. Je tryhard sur ce jeu, je vous le dis direct. Alors, est-ce que ça fait ça? Non, ça merde pour tirer. Alors attends, je me perds toujours dans les touches quand j'ai l'arc contre parce que tout est utile, donc, ça, ce qui est rare. Passe la balle, V, la touche V. Ah non il la connaît pas. Ça. Bon donc déjà Picou ne connaît pas la touche V. Je suis en train de me. Oh là là, magnifique grip de Tombro. Oui, boum. Oh la vache, c'est magnifique ce qui se passe dans mon équipe. Il est où le viking là? C'est magnifique ce qui se passe dans mon équipe, mesdames et messieurs, sauf si le rouge ne sait pas avancer, c'est le Zergli qui part en attaque, attention le viking qui arrive en défense. Il arrive en défense, il faut absolument que... Oh ah, but. Ouais, alors moi attends, le viking, j'ai toujours pas compris. Ok. Ça va être assez dérangeant. Moi j'ai random et t'as. Oh ouais, super, alors super le fantôme. Oh nice pass, j'ai une queen hors du commun, je pense que j'ai la meilleure queen d'Europe. Là honnêtement, je dis pas ça souvent. Mais oh là là. Alors mon X, ça me sert à rien. Je crois que j'ai la meilleure queen d'Europe. Ah si, bon. Et ouais, j'étais stun, je pouvais pas faire grand chose avec ma balle. C'était plutôt Imba toi, attaque stun. Hop, je le dis. Alors je suis avec qui moi? Avec les bleus. Hop. Très bien. Bleu. Est-ce que le Zergling pourrait y aller? Alors, le Zergling, tu peux tacler. Oh là là, mais magnifique! Oh là là là! Hey. Ah, et la sonde! Honnêtement, sonde. J'ai une bonne équipe. Là, honnêtement. Voilà, tiens, prends-toi ça, la sonde, on est reparti. Mais j'ai quand même une bonne équipe. Là, ah, j'ai le Stalker qui est là. Pour l'instant, ça vend du rêve. Hein. Pour l'instant, ça vend du rêve. Voilà, la reine, ça a l'air cheaté aussi un peu. La reine, c'est pas mal, mais c'est dur à jouer. C'est un peu comme Pudge, pas trop tard. C'est Imba, mais faut savoir le jouer. Eh bien, but. Oh non, là, je sens la catastrophe. Là. Où est Panactis? C'est vrai, il joue quoi Panactis? Il joue Marines, c'est pour ça. C'est pour ça, Marines, c'est pas ouf, Marines. Alors là, je sens... Oh là là. Ah non, mais là, je sens que mes viewers se sont énervés.
et ils se sont dit récupérons le titre quoi. Là j'en ai bien l'impression parce que là. Allez, ça... sur l'aile droite les amis, 2-0, on lâche rien du tout, le stalker qui est sur l'aile droite. Ouh, Zerator qui a fait du shit. Ah non mais alors là c'est une catastrophe là, c'est un truc de fou. Oh, oh ça tente un peu. Oh là. But. Oh là là là. Ok meurt. Ok meurt. Est-ce que Panactis a fait un changement? Non toujours pas. Je suis étonné que Panactis joue Marines. Ah, il a fait un changement. Ah il joue Zergling Panactis, ça y est, il s'énerve. Panactis s'énerve. Attention parce que moi je n'ai toujours pas compris mon unité. Il va jouer attaquant. Allez, c'est parti, le route, je suis pas trop mal. Oh, passement de jambes. Moi, on l'a tous vu. Je fais, je fais pas trop le malin sur ce Star Striker. Oh là là, là la queen. Non. Oui, pas mal. Pas mal, le route. Oui, oui, parfait. Excellent. Oh, excellent. Non, mais. Voilà. Le niveau est trop élevé. Je me sens même un peu nul sur cette guerre. Et alors, vers la droite, là, la sonde. Tu restes trop. Oh là, là 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 là. Et la défense. Et la défense là. Non, alors, il a bliqué avec la balle. On joue comme en poussin, c'est ça? On joue comme en poussin. C'est-à-dire que tout le monde tout va monde sur... est devant, voilà, tout le monde poursuit la balle. Voilà, exactement. Ah là là les mecs, une petite stratégie please. Please. Alors, très bien, très bien. Alors toi tu refais ça encore une fois, je te kick. Tu es mort. Je te kick de Millennium. T'as vu, c'est énervant hein, quand on perd à ce jeu. Moi je pense que ça me rend fou, je te le dis. Voilà, but. Voilà. But. Dans 4-0. Voilà, vous êtes content? Vous êtes content de vous? Dis-leur, insulte-les un peu. Non, mais voilà. Mais si, insulte-les. Je préfère qu'on reste dans des bons termes en sorte parce que sinon. Bah, après, j'ai des gants, c'est un peu. C'est normal. C'est pas très balèze quoi. Hop. Je suis sur l'aile droite, je reste quand même un peu en défense. Oh, non, mais c'était mieux. Oh, dommage. Ça partait d'une bonne intention. Qui était là. Attention, le stalker ami. Alors, nous, on a un stalker qui connaît pas trop le jeu. Hein. Mais il y a juste lui, donc ça va. Ouais, ça a l'air de... C'est ça. Donc ça va. C'est qu'il y a que lui. Donc t'as choisi tous tes coéquipiers. Alors j'aurais aimé que ce soit vrai, hein, pour les reprendre un jour. Mais non, même pas. C'est bon, je suis là les amis. Par contre, je ne connais toujours pas mes touches. T'as même pas lu une fois tes pouvoirs? Mais je ne peux pas lire mes pouvoirs. Pourquoi? Bah, ça ne me met rien. Ah, tu n'as pas les tooltips affichés? Non. Activé. Ah d'accord. Ah donc notre sonde a donné oui voilà c'est ça. L'équipe adverse. Alors actuellement comment on fait pour tirer? X V. V. Bien sûr. J'avais pas assez de mana pour faire mon X, je suis un peu deg. Allez on essaye. Et C c'est ta clé. Et X oh v, oui la sonde. Oh la sonde en attaque. Récupère et passe. Passe. Oh nice. Passe à l'arconte. Ça m'a l'air d'être. Passe à l'arconte. Ça m'a l'air voilà. Oh non passe. Non mais il connaît pas la touche V lui, c'est dommage. On va perdre la balle. Je suis un peu déçu. Voilà on perd la balle. Maintenant. C'est moi qui l'arrive. Bon, c'est normal, c'est le stalker, on le sait. Pas de surprise avec ce stalker. Oh, le Zerling, ou Panactis, belle passe. Ça part de Panactis. Alors là. Oh, oh oui. Oh, ça va être le but. Premier but. Ça va être le but. Attention, le but. Ça le but être... qui arrive. Peut-être pour l'équipe adverse. Ça va être le but. Oh, les deux Zerglings qui sont à la course ici. Oh, ça joue mieux du côté vert. Oui, Panactis. Le but, le premier but. Nice. Qui pour l'instant sauve l'honneur. But. Non, mais on va pas que sauver l'honneur. Allez, je me mets en forme. Super. Tu peux rien faire comme ça. Voilà, hop, alors, tac. Ah bah bien sûr, alors on marque un but et après voilà, on part sur des mauvaises bases. Et après on repart en poussin, voilà. C'est reparti. Allez le Roach, il faut que tu dises ton pouvoir. Allez le stalker. Ah il peut pas la prendre, il est en blink. Vas-y, vas-y, vas-y. On voit plus la balle. On voit plus la balle. Oh but, oh là là. Honnêtement, carton. Je vais me taire parce que je sais ce que ça fait d'être dans cette situation. Je prends la balle. Et c'est très énervant. On y va. C'est très énervant. Alors, y a un... Est-ce que je peux retry mon... Pourquoi il t'agrippe? Ah oui, d'accord. Alors la queen, donc ça partait d'une bonne intention ce grappin, voilà. Voilà, mais en fait, voilà. Allez, Roach! Arrête-toi, toi! Oh la vache! Et on a encore perdu là? Est-ce qu'on a encore perdu? 5-1, mi-temps. On change de côté. Très bien, super. Bon. Je suis bien content. Fait plaisir ce jeu. Jeu de merde, j'aurais plus jamais de jeu. Donc autocanon, alors je ne sais pas qu'est-ce que ça fait, mais ça a l'air d'être super. Je peux pas activer mon X maintenant. Parce qu'il te faut la balle avec, ça veut dire peut-être. 5, non, je pense. 4, si, normalement c'est ça. Ah non, parce que 3, t'es pas à terre. 2, 1. Donc 1-5. Partez. Ouais, on est bien. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir, Lège? Qu'est-ce que tu nous fais? Pouvoir que je n'avais jamais vu en Star Striker. Eh bien. Oh là. Super. Oh là 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 là. Comment on fait pour retry? Sub out. Random. Et tu as eu. Tu as eu. Un viking. Un VCS. Alors le VCS est un goal. C'est-à-dire que le X c'est un mur qui se met tout droit. De façon verticale. D'accord, bah je vais au goal les amis. Tu devrais tester d'en faire un, histoire de pas faire un pouvoir pour rien.
comme moi je fais sur League of Legends. D'accord, j'ai compris ce que c'était. La tourelle, qu'est-ce que c'est? J'ai compris. C'est une tourelle qui, voilà, qui tire. Standard, classique. Le C, bah c'est le C. Ouh là là, ouh là là. Ouh là là là. Ouh, je le sens assez moyen. Alors non. Il vaut mieux faire ça quand les gens tirent. Hors des limites. Ouais, non mais là c'était hors bien. Des limites. Là c'était bien. Alors V pour la touche, bien sûr. V, passer la touche. Synactis, belle touche. Beau X. Ah ouais, joli X. Contre, c'est vrai. Par contre, grappin, passe au Roach et but. Ah non, Roach n'a pas récup. Attention à ce mur, Lège, hein, qui t'enferme toi-même là. Attention quand même. Hein. Ouais, la sonde était là, on jouait en duo. La sonde, il faut passer. Oui, voilà, il faut passer, c'est le problème. C'est la touche V, c'est un problème chez nous. V, V, V. Oh là là, Lège, quel gardien. Quel gardien, sans problème pour le gardien. Sans problème, allez-y là, oh, sur l'aile. Et voilà. Oh, faute. Eh ben non, pas faute, touche pour nous. Non, faute. C'est une strat. Le Roach récupère. Le Roach récupère, je vais aller en défense, parce que là, à mon avis, ils sont pas très bons. Voilà, heureusement, la sonde nous a passé la balle. On a pas de ligne. Ah là 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 là, ça se passe pas très bien cette histoire. Le Zergling avance, la tourelle. Ah, eh bien non. Allez, vas-y. Ah, le grappin. Ah, mon équipe se déconcentre là. Il joue moins bien que tout à l'heure. Je suis en arc-compte là-bas à droite. X de l'arc-compte peut-être. Non, pas encore. Si, voilà, X. Ouais, pour faire rien du tout. Merci, Fanactis. Non, mais si, il dégage. Il dégage, c'est important dans ce jeu. Oh, Lège avec son wall qui a sauvé le but. Hop, on avance. Donc ça traverse les pylônes. D'accord. D'accord. Okay. C'est normal. Et un pylône, ça sert à quoi actuellement? Ça sert à ralentir, je crois. But. Alors le Zen ne marche pas sur la tourelle apparemment. De quoi? Le Z, la tourelle ne marche pas. Le Z bah, si, t'en as placé une tout à l'heure. Non, mais, oui, non mais j'étais à... Ah d'accord, le Z, d'accord. Donc super, bon, hein, encore une fois. Mais essaye W, t'as peut-être non, t'as dit en anglais. Hein, W, ça marche pas. Vas-y, go, là, j'ai envie de marquer un but. Vas-y, go, là, par pitié, ça m'a saoulé. M'a carrément saoulé. Donc le Stalker qui a oublié de prendre la balle. Je prends. J'ai plus la balle. Oui, je suis bien. Fanactis! Fanactis! Yeah! Hop, 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 hop! Hop là! Fuck nickel! My fuck my life! Oh oui! Non! Ouais, KO! Oh! Oh! Oh. Yeah! But! Alors, on fait moins les malins. Alors, là, vous êtes morts tous! Eh ouais! Alors, ça meurt! C'est intéressant. Voilà, hop, tac. Ah, c'est Panactis. Très bien, très bien. Non, c'est pas Panactis. Aile gauche. Aile gauche. Aile gauche, regardez. Oh, nice. Chaud. Hop là. Oh. Ralenti. Oh oui, le Roach est bien. Je prends l'intérieur. T'aurais dû passer à l'Arconte. L'Arconte, tu aurais pu X complètement. Ouh. Aïe. C'est bon, avancez. Voilà, nickel. Ça passe en mode Zergling. Pas de soucis, bon, il est reparti en deux. C'est bon, j'ai. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire X. Oh non! Oh non! Oh! Bien joué! Par contre, vous êtes 4 sur lui! Réfléchissez! Réfléchissez, please! Please! Oh nice! Ouais. On y va. Je ne suis plus sur RC. À mon avis. Est-ce que le live est encore bon? But! Non, sinon on aurait déco. But! Ça va haute. 8-2. T'as encore changé d'unité? Je rechange l'unité pour comprendre un petit peu pour les prochains Star Striker. Sentry, what the fuck? Ah, t'as carrément abandonné dans la tête là. Ça? Sentry, pourquoi faire? C'est pas type. Ah, monsieur. Sentry, pourquoi faire? Sentry, Imba, Sentry. Je sais plus pourquoi. Mais c'est une unité pas mal. Oh oui, la sonde! Oh, belle passe! Oh, but! Voilà, la belle passe. GG. La belle passe. Belle passe. Heureusement que j'étais. Bon, les laissez pas remonter comme ça là, les gars. Je veux dire, ne vous déconcentrez pas. Vous déconcentrez. Please. Oh le X. Oh le X. Ah oh, ça va passer avec lui. Super X. Super X. Alors, en là, un mot. Là. Merci Panactis. Passe le V. La touche V. Non il veut pas. V. But. Tu vois? Nickel. Alors qu'est-ce qui se passe? On peut plus vous connecter. Non mais je ne veux plus parler. Ah il y a trop de gens sur IRC la house donc on ne peut pas y être. D'accord. Merci. Bah, c'est Saka, très bien. Merci Ogar. Merci cette personne là qui nécessite d'être sur IRC. Mais merci Lège aussi. Oui, effectivement, si. D'accord, bah c'est pas grave. Pas de soucis. Alors, qu'est-ce que fait mon Z? Alors, on y va. On prend un but. Vous prenez un but? Non, normalement, si. Moi, je ne vois pas que ma tardera.
Allez, oui, part. Oui, pas d'actif. Ah, il a raté la balle. Il avait pas assez de mana pour son X, je pense. J'en suis pas sûr. Ce qu'on dit tous. Hors des limites. Votre Zergling est pas mal fort. Il est pas mal, On a Zergling et Queen très fort. Roach et Stalker un peu moins fort. Ouais. Et toi? Moi ça va. Je suis correct. Pour cette game, c'est... Je suis correct. Pas d'actif. Je suis pas ouf. Et il a plus assez de mana pour X, voilà. Parce qu'il a fait son Z, il s'est trompé de touche. Il a touché personne en plus avec. Faut que ça life. Oh! Oh le... Oh vous avez un Stalker, bon. Oh le Stalker là. Ah ça désespère. Donc là le Stalker, l'Edge, ça t'a... On ne joue plus à Mono Battle ni à Star Trek. Tout de suite. Ah oh, ça rage. Ah oh, ça rage. Oh ça rage. Ah bah alors, on a pris la sauce. Ça va. Alors, quand on prend la sauce, voilà. Ouais. Donc c'est de l'autre côté qu'il faut marquer. C'est de l'autre côté. L'autre gauche. L'autre gauche, les amis. Ah, c'est fini. 3 à 10, merci Panactis, merci aux autres aussi dont j'ai oublié le pseudonyme. On a perdu, bah tant pis. Hein, ouais, tant pis. Voilà, on a fait exprès de perdre. On est d'accord. Non mais Panactis a été moins bon que d'habitude. Un des meilleurs à la game aussi. Moins bon que d'habitude. Hein. Je ne sais pas qui va être MVP. Peut-être le Zergling de chez nous. C'est Tefol. Tefol, c'est le. Tefol. On peut pas voir. 11,2 de grammes. En comparaison, tu as 5-7. Moi j'ai 6-4. Nous avons éclaté. Nous a éclaté. On avait fait 7-2 tous les deux. 7-2 Ouais. 11-4. Il a marqué tous les buts. 11. Et ouais, c'est ça. Hein. Attends, je vais regarder un petit peu. C'est ça. Mais les passes décisives sont pas très récompensées dans ce 13, jeu. 3 passes, mec. 4 goals, 3 passes. 13 styles, quand même, tout de même. 13 styles, ouais. Ouais, quand même, c'est pas mal. 21h03, mon cher Zerator, yes. Sur Catascraft est maintenant termineux. Oui. Termineux. Et on va se quitter, les amis. Alors, qu'est-ce qui vient maintenant? Alors, qu'est-ce qui vient? Bah, je vous Alors, le dis. Très intéressant. Tout de suite, hein, mes chers amis. Juste un tout petit mot à propos du réseau social. Yes. Zerator ou LegLol, L-E-G-E-L-O-L. Of course. Zerator, Z-E-R-A-T-O-R. Yeah. Sur Facebook, YouTube, Grooveshark, Twitter, Dailymotion. Facebook, Twitter, Grooveshark. Dailymotion. Deezer. Enfin, tout ce qui existe. Alors, moi, je ne suis pas sur IRC. Moi, je suis sur IRC. Donc, si les gens paniquent, je ne vois pas. Ok, pas de souci. Les gens n'ont pas l'air de paniquer. C'est le ladder de Twix juste après. Je n'ai pas sur IRC non plus. De 21h30, de 21h à minuit. Merci. Je suis sur IRC et on va répondre au sondage. Ouais. Le sondage qu'on avait mis, les carottes ou les brocolis. Oui. On va vous mettre ça dès à présent. Ah, victoire. Oh la vache, j'en étais sûr. Victoire incontestée des carottes. C'était pas balance. Ah, victoire brocoli ou poireau, t'aurais dû mettre. Effectivement. Ou genre poivron, poireau. Ah. Non, mais moi j'aime bien le brocoli. Bon, 79% pour les carottes. J'espère que vous avez aimé c'est ce stream. C'est du 80-20, quoi. Là, c'est... Ouais, ladder Twix, c'est juste après 21h jusqu'à minuit. Puis après minuit, 2h, Legendary, les amis. Yeah. Et oui, ça va être chaud. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé ce Catacraft. Et à plus. Merci à tous. Salut, salut. Au revoir. Au revoir. Salut. On a platine. Platine. Prochain stream, diamant. Prochain stream, master. We'll see. Ça me paraît legit. We'll see. Allez. Adieu, au revoir, à demain, à plus tard. Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure.